Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les joueurs du dimanche. Et aujourd'hui, on va découvrir un nouveau jeu qui s'appelle Caldera Park, un jeu qui nous a été ramené. Ouais, la musique encore, Maxidan qui oublie une fois de plus hein, de vraiment baisser le son. Merde. Caldera Park, un jeu qui nous a été ramené dans cette pièce par cette très chère Marie Grandjeu qui adore Caldera Park. Elle va nous le faire découvrir puisqu'elle est là aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous. Bah, ça me fait plaisir de vous faire découvrir Caldera Park, en effet, qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui est un peu une suite. Savannah Park était sorti il y a 2-3 ans et ils ont fait une version un tout petit peu plus complexe qui est Caldera Park, que moi je préfère et que du coup j'ai hâte de vous présenter. Comment ça va, Adi ? Très bien, très très bien. Aujourd'hui, c'est une spéciale double P, double partie. Donc, jeu de société maintenant, Magic ce soir. Et je découvre Caldera Park, donc on en rajoute encore un. Tu m'as dit que c'était vraiment le jeu cocon, le jeu que tu ramènes limite ce sport d'hiver le soir avec le petit vin chaud, la fondue, etc. Et donc, devant le feu de cheminée, tu vois. J'ai trop hâte. En tout cas, si c'est un de tes jeux préférés, c'est qu'il est forcément qualitatif. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, évidemment, puisqu'on va y jouer. Alors moi, bien sûr, j'y ai déjà joué parce que c'est sorti il y a... Un an et demi, ouais. Voilà. Donc évidemment, on l'a testé pour les As d'Or. Il n'a pas été sélectionné, mais c'était pas un mauvais de la liste. Non, voilà. C'est clairement pas. C'est pas un mauvais de la liste, malheureusement. Il y en avait des meilleurs. C'est toujours comme ça. C'est toujours ce qu'il faut se dire quand vous n'êtes pas retenu pour une sélection de jeu ou pour un concours ou pour un truc comme ça. C'est pas forcément que vous n'étiez pas bon. C'est que d'autres ont été meilleurs. C'est ce qui arrive, évidemment, très souvent. Vous avez vu, on a tenté un petit truc. On a mis un décor un peu dans le thème. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment trop cool. Bon, on va voir. Peut-être qu'on fera ça après aussi pour d'autres jeux. Ça nous met un petit peu dans le thème, effectivement, de Caldera Park, puisqu'on va partir dans la nature. Si vous êtes écolo, si vous aimez nos amis les bêtes, ou simplement un bon jeu de société, vous devriez aimer Caldera Park. Marie, est-ce que tu es prête à nous expliquer les règles du jeu ? Je devrais être prête à vous expliquer les règles du jeu. Juste avant ça, on vérifie que dans le chat, vous êtes OK au niveau du son, de l'image, que tout est bon. Et si on est good, on appuie sur un bouton et on y va. On est prêt ? On a surtout mis... Ouais, je suis en short. Ouais, il est en short. J'avoue que le plan du short est très confusant. Je suis chez moi, merde ! Alors, je fais ce que je veux, non ? Ça pose problème à quelqu'un ? Non, mais tu sais, la caméra vue du dessus qui bouge en devant en short, c'était très unique. Écoute, voilà. C'est vrai que je suis chez moi, je suis dans ma batcave, et puis c'est surtout, moi j'alterne. Voilà, un petit bain, tout de suite on reprend un jeu de société, un barbecue le soir, en ce moment il fait beau, on profite du jardin. C'est le principe, les amis. 6 mois pour Paul Kapelski, merci à toi évidemment pour le sub, merci à toutes et à tous de follow, de sub sur cette chaîne, de laisser des commentaires sur YouTube, évidemment ça fait toujours très plaisir. D'ailleurs n'oubliez pas d'aller follow aussi tous ceux qui viennent autour de cette table, je pense évidemment à Marie et à Dibou qui sont là aujourd'hui. Vous allez évidemment les retrouver sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Twitter ou sur Twitch ou YouTube. Regarde. Vous savez où les trouver, les pseudos sont écrits juste ici sous vos yeux, regardez. Ah ouais, juste là. Waouh. Voilà. Alors bon, attendez, hein. On va quand même faire un petit truc, ce qu'on va enlever ce zoom, voilà, qui nous casse les couilles. Et on va tout de suite dézoomer. Voilà un petit peu le matos de Caldera Park que je vais mettre ici, comme ça, voilà, on le voit bien. En tout cas, sur ce plan large. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de placer des tuiles sur nos plateaux personnels, de sorte à marquer un maximum de points de victoire. Je n'en dis pas plus. Marie, comment on joue à Caldera Park ? Eh bien, comment nous allons jouer à Caldera Park ? Le but, en effet, ça va être de poser ses tuiles sur son plateau qui, au départ, est complètement vide pour faire un maximum de points de victoire. C'est très simple, les points qu'on fait à la fin de la partie, ils sont juste là. Donc, je vais vous expliquer comment on les positionne, comment on fait des points, et après, on pourra tout de suite jouer. Ok. Vas-y, je vais zoomer sur le plateau central, si tu veux. Oui, complètement. Tu me dis et je te suis. Très bien. Vous allez commencer déjà par les retourner. Tu peux les mettre directement en face visible, toi, Maxildan. Ah, d'accord. Alors, effectivement, vous voyez, sur nos plateaux perso, on va mettre des petites tuiles ici avec des animaux. Alors, je vais vous montrer un petit peu de quoi sont composées les tuiles. Quand vous voulez montrer quelque chose, vous pouvez le mettre ici. Vous allez voir que j'ai un petit zoom qui nous attend. Ah, merveilleux. Sur une tuile, il y a des animaux. Pourquoi il y a des animaux, Marie ? Eh bien, parce que le but, ça va être de faire des familles d'animaux à la fin de la partie. Oh, merci Larsina qui vient de lâcher 5 subs. Ah oui ! Merci Larsina, ça fait extrêmement plaisir. Muchas gracias. Ça fait très plaisir, pardon. Sur chaque tuile, vous allez avoir des animaux ainsi que parfois des petits lacs. Le but du jeu, ça va être de faire des familles d'animaux, donc de mettre des tuiles adjacentes qui ont
le même, qui ont le... Là, on veut faire une famille de loups, on voudra faire des aigles, etc. Comment ça va se passer ? On va venir sur ce plateau ici, où vous avez tous les animaux qu'on va pouvoir mettre, qui sont là. Donc, nous avons un loup, un élan, une chèvre, un buffle, un aigle et un ours. Donc ça, ça va être tous les animaux que nous, on possède. On a absolument tous les mêmes tuiles. Sur les tuiles, vous avez des fois des lots de 3 fois le même animal, ou 2 fois, ou 1 fois. Mais aussi, par moment, vous allez avoir des binômes et des trinômes qui sont pas forcément les mêmes. Si jamais on fait une famille de chèvres par là, et après une famille de loups, cette tuile-là pourra compter et pour la famille de chèvres, et pour la famille de loups. Ok. Okay. On a toutes les mêmes tuiles. Cependant, on n'a pas toutes les tuiles disponibles au même moment, puisque chacun, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de disponibles, mais pas les mêmes. Ah. Comment ça va se passer ? À mon tour de jeu, je vais commencer à être la marmotte. Et oui, je suis une petite marmotte. Et je vais choisir l'animal que je veux jouer. Par exemple, je vais dire le loup. Et le loup, je vais annoncer qu'il faudra le placer soit dans le désert... Le désert, c'est toute la partie jaune que vous voyez ici. Okay. Dans la forêt. La forêt, c'est toute la partie verte sur votre plateau. Dans la montagne. La montagne, on est ici. Mm-hmm. N'importe où. Okay. Donc là, sur une des 3 zones. Adjacent à une cascade. Les cascades, vous les voyez, elles sont situées ici. Il y en a 6. Et donc, du coup, on devra se mettre adjacent à une cascade. Okay. Sur la rivière, bah, c'est simple. Il y a une rivière. Il faut qu'on pose notre tuile. Sur la rivière, c'est pas adjacent. Non, la cascade, c'est adjacent, rivière, c'est sur. Exactement. Okay. J'ai dit une bêtise, merci de me reprendre. La cascade, c'est sur la cascade, d'accord. N'importe quoi. Ça arrive au meilleur mari. Exactement. Donc sur la cascade, sur la rivière, et celle-ci, elle est un peu particulière, c'est où on veut. Mais là, tu vois, il y a le loup, on peut le déplacer où on veut, la chèvre, on peut la déplacer où on veut. Ce lac, il se déplace uniquement comme sur ça. Sur un lac. Okay. Et donc là, ça veut dire qu'on prend une tuile qui possède un lac et on la pose où on veut. Ça nous force à poser un lac. Voilà. Très bien. Les lacs, vous allez voir que ça va être très important. Quand on parle où on veut, on peut également le poser sur une cascade ou sur une rivière. Ah oui, où on veut, c'est vraiment où on veut. Il n'y a pas de problème. Okay. Et même pour la forêt, si c'est une case forêt, tu peux la poser sur une case rivière-forêt, c'est OK. OK. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Moi, je commence, je vais peut-être dire on met le loup en montagne. Ensuite, Maxildan va jouer, il va dire on met le buffle ici. Toi, tu vas jouer, tu vas mettre l'élan, etc. Non, moi, je suis un aigle. Je suis un aigle, si vous avez la ref. Donc, je vais choisir la ref. Moi non plus. Scrubs. Ah merde, j'ai pas la ref. Putain, dommage. J'espère que vous l'avez dans le chat, sinon c'est un flop. Et pas le premier, je vous le dis. Du coup, quand on aura posé tous les animaux, on va... changer la marmotte de joueur, Maxildan deviendra la marmotte, on refait une manche, quand on a posé tous nos animaux, la manche s'arrête, on compte les points de victoire. Et là vous allez me dire, mais comment on fait des points de victoire ? Mais comment on fait des points de victoire ? Eh bien, c'est très simple, vous allez prendre, si jamais vous avez recouvert toutes vos cascades, c'est 4 points. Si jamais vous avez recouvert toutes les cases montagnes, c'est 7 points. Toutes les cases, ça... Toutes les cases montagnes, wesh ! Oui. Il y en a tellement ? Toutes les cases, dans le désert, forêt, c'est pire. C'est 7 points. Okay. Toute la rivière, c'est 8 points. Si vous entourez un geyser, les geysers, qu'est-ce que c'est ? C'est très joli en vrai, je trouve ça très très beau. Le geyser ? Ouais, ça très très joli. D'accord. C'est juste pour te dire. Non, mais c'est... Bah moi, à l'inverse, je trouve que... Alors, effectivement, le geyser avec ses petites couleurs multicolores, c'est sympathique, mais globalement, c'est un peu le défaut du jeu. Je trouve que... C'est dessiné par... Moi, je dirais que c'est joli, mais ça n'a rien à faire. Genre, je comprends pas pourquoi il y a des déserts. C'est pas un artiste, mais bon. C'est joli. Il aurait pu faire autre chose. Annika Heller et Fabrice Weiss. Moi, je comprends. C'est faire un peu le côté un peu vintage, un peu vieillot, mais moi, je crois que j'aime bien. Très bien. Adi, je t'ai coupé la parole pour dire de la merde. Qu'est-ce que tu disais ? Pardon, merci, Makizar. Qui trouvait le geyser très mignon ? Juste très mignon, mais je disais de la merde aussi. Donc on s'arrête au geyser. Hein, ouais. Parce que vraiment, le reste, c'est quand même pas le plus beau jeu de cette terre. Donc, le geyser, il faut faire quoi ? Il faut l'entourer complètement. Si jamais vous l'avez entouré, vous pourrez marquer 4 points. Sachant que sur la carte, sur la case geyser et sur la case volcan, on ne peut rien poser. Ouais, ok, très bien.
L'iconographie n'est pas trop mal, parce qu'en gros, ce qu'on voit ici, excusez-moi, c'est qu'en gros, l'iconographie, c'est si on ne voit plus de cascade. De cascade. Alors, tu penses, si on ne voit plus de désert, alors tu gagnes 7 points, etc., etc. Là, on voit bien que c'est si tu entoures le geyser. Et là, il va falloir faire le plus grand groupe, j'imagine, multiplié par le nombre de lacs. C'est ça. En fait, on va prendre pour chaque groupe où on a le plus d'animaux. Donc, on va prendre notre groupe où on a le plus de chèvres. Mmh. Et on va compter, non pas les tuiles, mais les animaux présents. Donc, une tuile avec 3 animaux est plus intéressante qu'une tuile avec 1. Bien vu, Marie. On comptera 3. Et on multipliera par le nombre de lacs dans ce groupe d'animaux. D'accord. L'importance de foutre des lacs au bon endroit. C'est ça. Pour information, dans chaque famille, il y a 3 lacs. On peut au mieux faire 10 fois 3, 30 points par famille. Vous ne pourrez pas faire toutes les familles à 30 points, mais c'est pour vous dire un petit peu que, voilà, là par exemple, c'est un lac de loup. Si jamais à la fin, on a ça, comme ceci, on a 1, 2, 3 loups multiplié par 1, 2 lacs. Et donc là, on marquera du coup 3 fois 2, 6. Sachant que si vous mettez un lac de chèvre à côté, le lac de chèvre, il ne compte pas du tout pour vos loups, même s'ils sont adjacents. Si on met un lac... Alors, il n'y a pas de lac tout seul. Non, de lac tout seul, ça n'existe pas. Là, par exemple, ici, ce lac-là comptera et pour ma famille de chèvres... Et pour ta famille. Et pour ma famille de loups. Ok, très bien. C'est très clair. Donc, du coup, c'est très intéressant, pour un lac qui a plusieurs animaux, c'est très intéressant de le mettre au milieu de tous pour pouvoir qu'il compte pour tout le monde. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire à la fin. Il y a une toute petite difficulté dans ce jeu. Nous allons avoir des tuiles météo. Ah. Les tuiles météo, qu'est-ce que c'est? Ça va être les tuiles qui vont nous faire potentiellement perdre des tuiles. Donc, il ne va pas falloir se louper sur les tuiles météo. On a en bas pris au hasard, donc on n'a pas tous les mêmes, le reste on l'a rangé dans la boîte. On a pris 6 tuiles météo. On a tous face visible la tuile soleil. Mmh. Ici, quand on la pose, on peut la poser quand on veut. C'est un peu une tuile joker, puisque quand elle sera posée, les tuiles météo, on les pose uniquement dans l'espèce de brouillard. Mmh. La tuile soleil, elle va nous permettre d'avoir un joker sur autant d'animaux qu'on veut. Elle est de tous les animaux. De tous les animaux. Donc si jamais elle est adjacente à 3 familles, elle me servira pour les aigles, pour les loups et pour les élans. Celle-ci, on l'aime, mais c'est la seule qu'on aime. Pourquoi les autres? Je ne vais pas les retourner parce qu'on a fait la mise en place, mais sur les autres, vous allez par exemple avoir, si jamais on a un aigle adjacent, l'aigle meurt. Si jamais on a un lac adjacent, le lac est supprimé. Si jamais il y a 2 éléments sur la tuile est supprimée. Mais on choisit où est-ce qu'on les pose, ces tuiles, ou est-ce qu'on s'est imposé? C'est plus ou moins imposé, puisque la première, on la posera... Alors, on prendra ici celle-ci. On va la poser là. On va la révéler. Et ensuite, les suivantes, on les posera toujours adjacent à la première posée. On fait un cercle. Clockwise. Du coup, petit tips. Mmh. Au départ, vous amusez pas à mettre un peu n'importe quoi à côté des météos tant qu'on ne sait pas ce qu'on sait. Mmh. Puisque comme à chaque fois qu'on va passer le jeton marmotte, on va faire venir une tuile météo. Et du coup, on saura ce que c'est. Mmh. Et quand on sait ce que c'est, on peut mettre à côté quelque chose qui correspond. Très clair. Quant aux tuiles qui sont au-dessus de notre plateau, donc en gros, au moment où tu vas me dire « Ok, il faut placer une chèvre, par exemple. » Pardon, excusez-moi. Au moment où tu vas me dire « Ok, il faut placer une chèvre dans le désert. Mm-hmm. » Donc je vais prendre, là en l'occurrence, la seule chèvre que j'ai, je vais appeler dans le désert. À quel moment on remplit? Instantanément. Donc en fait, ce sera toujours plein là-haut. Ce sera toujours plein là-haut. Dès qu'on met une tuile, on la remplit. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant. Imaginons, je te dis, on place une chèvre dans le désert, mais que tu n'en as pas. Et c'est là où il va falloir un peu regarder. Tu peux mettre ce que tu veux. Oh, comment c'est fort. Je me souviens qu'on avait joué ensemble. Je l'avais dérouillé. J'ai quand même gagné la partie. Mais tu m'as bien fait chier. Si, si. C'est vrai? Oui. Tu as le souvenir? Ah, mais je suis sûre. Tu as une preuve? J'ai filmé? Il y avait des témoins. C'est mort. Alors ça n'existe pas. C'est mort, Marie Grandjeu, désolé. J'ai rapporté plainte à la police, mais sans preuve, ça n'existe pas. Ça tombe bien parce que la partie d'aujourd'hui est filmée. À croire que je suis pas là, tu sais. Donc, autre chose aussi, imaginons on place un loup dans du sable, mais que tout votre sable, vous l'avez déjà recouvert. Ouais. Pareil, vous mettez le loup où vous voulez. Très bien. Et encore mieux, si on dit du loup dans du sable et que vous n'avez pas de loup disponible et pas de sable, vous prenez la tuile que vous voulez et vous la mettez où vous voulez. Vous n'emballez pas, ça n'arrivera pas super souvent.
Ça arrivera à chaque tour. On est et bien parti si vous êtes prêts. Voilà. Je suis prêt. Donc, chose à dire. Est-ce que vous avez une question dans le chat? Est-ce qu'elle a oublié quelque chose? Il y a quelqu'un qui disait ça ressemble un peu à Cascadia. J'ai pas beaucoup joué à Cascadia sur le format des tuiles, sur le fait de remplir des objectifs. Un petit peu, mais on est quand même sur plus light que Cascadia. Et non, je. Il n'y a pas un autre jeu qui s'appelait Park quelque chose? Oui, c'est Savannah Park. C'est ça, ouais. C'est le premier. Et ça, c'était avec suite. Les animaux de la savane. Donc on avait des girafes, des éléphants, etc. C'était plus accessible. Celui-là, c'est la version initiée de Savannah. Exactement. Okay. Exactement ça. C'est la suite en un peu plus poussée. Et moi, je le préfère. Puisque dans l'autre, en fait, toutes les tuiles, elles sont déjà posées. Il faut juste déplacer un petit peu les tuiles. Là, on va vraiment créer tout de A à Z. On avait aussi joué ensemble. Eh bien, les amis, je crois qu'on est prêts. Très bien. Je pense qu'on peut y aller. Let's go. Ça aurait pu être une plaine au lieu d'un désert. Ouais. Alors après, je pense que le but aussi, c'est, vous voyez, le type d'animaux. Et puis, alors, je ne sais pas où se situe Caldera. Mais ça a l'air d'être des animaux d'Amérique du Nord. Et donc, probablement qu'ils ont voulu représenter tous les biomes qu'on peut retrouver en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a un genre de désert? Je ne sais pas si c'est vraiment du désert. Je pense que c'est plus... Plaine, hein. C'est plus, entre guillemets, une plaine aride. Tu sais, de savane, de l'herbe cramée par le soleil. Ouais. Tu vois, ouais, voilà. Une brousse. Ouais, je sais pas. C'est forcément un biome d'une carte, d'un bilan de Magic l'Assemblée. Splendide. C'est toundra, brousse. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des prairies. Prairies. En fait, des prairies. Des prairies, c'est pas... Ah, c'est là. La zone jaune, en fait, c'est des prairies. Ok. Des vastes forêts et prairies. Bon, c'est très bien. Qui abritent d'innombrables espèces. Des eaux, hein. Non, mais prairies, c'est très bien. Voilà, c'est pas du désert, c'est de la prairie. Bien vu le chat. Je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Ouais. On pose qu'on s'en branle. Allons-y. Hop là, ça, je vous mets le jeu ici, comme ça vous êtes bien. Je vote pour, oui. Bon. Parfait, je regardais juste, mais là, au départ, avant de commencer, on va tous prendre un jeton météo qu'on va positionner là où on veut. Ok. Une caldeira est une sorte de chaudron formé autour d'un volcan. C'est pas un lieu particulier. Okay, c'est un type de lieu, une caldeira. Ok. On en apprend tous les jours avec Incroyable. C'est vrai. Je dormirai moins. Prenez une tuile météo que vous positionnez là où vous voulez. Oui. Je te conseille de pas prendre ton joker tout de suite. Après, tu peux prendre ton joker. Je prends le joker tout de suite. Et où tu veux, tu le mets là où il faut. Je la regarde d'abord. De base, en fait. Oui, tu peux. Enfin, tu la regardes d'abord, tu la poses. Oui. Et c'est quoi ta question? En fait, tu la mise là où il faut la mettre au début. Oui, alors moi je l'ai mise là, mais tu peux la mettre là, tu peux la mettre là. D'accord, tu peux la mettre là, t'as décidé de mettre. Ok, très bien. Je l'ai mise là parce que c'est le trou qui. Ok. Voilà. Bah. Stop. Voilà. Stop. Titre. J'avoue que là, tu m'as pris bon, de court, Marie. Ça, ça veut dire pas le rose ours, pas le droit aux chèvres. Parce qu'il fait trop froid. Exactement. Ici, si tu mets des chèvres ou des ours à côté, tu les supprimeras à la fin. Donc elles ne comptent pas dans tes familles, elles sont out. C'est parce qu'il fait trop froid ou trop chaud? Je veux une réponse. Ah, j'en sais rien, moi. Ça rouge, je le mets, pour être dans le lore. Fais voir. Eh bien, je pense que les chèvres, elles n'ont pas envie d'être dans le désert. Donc je pense qu'il fait trop chaud. Je okay. pense qu'il fait je pense qu'elles trop veulent chaud. Plus être dans la forêt. T'as raison. Eh bien, du coup, je vais laisser ça ouais. ici. Moi, j'ai un orage. Voilà, l'orage, ça veut dire que tu ne peux pas mettre de tuiles où il y a un seul élément dessus. Donc par exemple, si tu mets une tuile avec un aigle, mm-hmm. eh bien ton aigle, il meurt. Sachant que ça, c'est deux éléments. La neutralité de Marie. Eh bien, ton aigle, il meurt. Il meurt. Ok, donc je peux pas mettre un seul élément. Voilà. Ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok, etc. Exactement. Ah bah, je crois que je vais te copier. Voilà, je le mets là aussi. Et alors, j'ai peur d'avoir dit une bêtise. Enfin, ah, c'est pas la première. Non, juste sur ce que je viens de dire, c'est sur le fait que le lac compte dans les éléments. Je crois que oui. Prends ton temps, regarde. On a le temps, ça, on a le temps. On fait une game propre. Il y a pas de problème. On n'est pas. Non, okay. Pardon. C'est le nombre d'animaux. Donc tu ne peux pas mettre non plus celui-là et celui-là. Ok, c'est uniquement les animaux, pas là, les éléments. Pas. Très bien. Merci beaucoup, Marie Grandjeu. Et ben, on est pas mal. Donc voilà. Je pense que là on est bien. Eh bien, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Sans okay. vous attendre, les amis. C'est le premier tour. Il y a quelqu'un qui a dit Marie a enfin réussi à virer Rof. C'est cool. Non, c'est faux. Il est actuellement en train de dormir à l'étage car il est très fatigué. Il avait un tournoi à l'Orcana aujourd'hui. Déjà, hier, il s'est fait laver le cul. Et aujourd'hui, il est arrivé, il a fait 2 victoires, 2 défaites. Il a drop le tournoi, il est venu se reposer. Comme ça, il sera une en frais pour ce soir, 21h. Puisque ce soir, c'est Magic. Très
Très bien. Commence, Marie Grandjeu. Allez, je vais commencer et je vais annoncer que j'aimerais... C'est typiquement le genre de jeu, c'est à la fin de la partie que tu te dis « Mais en fait, c'est comme ça que j'aurais dû jouer. » Et la première, tu te fais laver, genre. Un loup du coup, j'ai... dans la forêt. Un loup dans la forêt. J'ai l'impression qu'il y a une stratégie à faire. Et je peux jouer lui, même s'il y a un lac ? Complètement. Non, j'ai pas trop le choix. Tout à fait, monsieur, tout à fait. C'est vrai qu'il va falloir que je commence à regarder ce que vous faites, c'est important. Moi, attends, on est tourin. Donc là, on doit mettre du loup dans la forêt, donc on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Ok, c'est parti. Bon, je vais pas mettre 3 plombes. Voilà. Oh, on a quasiment fait pareil. C'est vrai. J'ai pas triché, hein. Non, mais je te crois. En même temps, toi, tu pouvais pas le mettre au même endroit que moi. Si tu l'avais mis au même endroit, il mourrait. Eh ben, j'avais pas pensé à ça. Je vais pas te mentir, j'avais pas pensé loup, à ça du tout. Forêt. C'est vrai. Qu'est-ce que je recherche ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ? Oui. Ah oui, excuse-moi. Effectivement, quand on utilise, on remet. Wow, attends, j'ai trop de trucs cool direct là. J'aime pas trop beaucoup ça. Je suis trop de lac. Sont-ils du Connemara ? Marie Grandjeu. Oh. Pas mal, pas mal. Ouais, ça aurait mérité juste une réponse, mais écoute. Non. Non, ils ne sont pas du Connemara. C'est rare là pour moi. Merci beaucoup, Marie Grandjeu. C'est ce que je fais. Donc, il faut que tu remettes la tuile au-dessus, mon Max. Ouais, c'est vrai. Et que là, c'est à toi de choisir. Alors, c'est à moi de choisir, effectivement. Alors, je laisse le dézoom comme ça vous permet de voir tous les plateaux. Ouais, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je zoome plutôt, peut-être sur le truc central et qu'après je vous fasse des plans sur chaque mec. Mais comme on va jouer un peu en même temps, j'ai l'impression que c'est mieux de rester comme ça. Je vais vous proposer. Regarde un peu ce que vous avez. Regarde ce que t'as toi. Ferme-la, c'est juste pour voir. Arrête de regarder mes tuiles. Mais non, okay. je pas stratège tour. C'est pas possible, si, Max Hildan. Si. Mais c'est pas. Mais... Oh, si, c'est possible. Oh, si, on va poser un ours. Mais on est tour 2, cousin. On va poser un ours. Ok. J'ai un ours, moi. Ouais. Non. J'ai pas d'ours, moi. T'as pas d'ours. Merci beaucoup, Max Hildan. Ouais, je suis un frérot. Parfaite stratégie. Je suis un frérot, parce que moi, en fait, j'avais de tout, donc ça me changeait pas grand-chose. Je peux mettre n'importe où, la dingue. On va poser un ours et on va le mettre. Mm-hmm. Tu peux le poser n'importe où, eh bien non. Car tu vas mettre ce que tu veux, mais tu vas le mettre sur une cascade. Ce que je veux à côté d'une cascade. Ah merde. Du coup, potentiellement, il va mourir. Toutes les cascades sont à côté des cases météo. Ouais, mais attends, si je pose un truc là, ça va. Sur une cascade. Ah oui, non, c'est sur une cascade. Ah merde. Eh ouais, mon pote! Si je drop 2 nuages, 2 orages, c'est 2 et moins qui meurent? Non, c'est 2 piles. C'est 2 piles, ok. Merci beaucoup, Marie Grandjeu. De rien. Ok, c'est bon pour moi. Ah non, je triche. Belle petite. Ça. Oh, c'est risqué quand même. Hein. Tu viens de faire ça là? T'as vu comment c'est risqué de ouf ce que tu viens de faire? C'est risqué de ouf. Si de la tuile météo. Je m'en fais à celle-là. Ok. Non, mais en vrai, je suis Debs. T'inquiète, c'est géré. De toute façon, il n'y a pas de série risquée. Toutes les. Bien sûr. C'est pour ça, je suis en train de me dire, est-ce que je le mets pas là ? Ah, parce que j'ai mis une case de fou malade, c'est ça ? Parce que toi, t'as mis un ours nul. Mais moi, en fait, c'est ma seule case où j'ai un ours. Donc, il n'y a pas de discussion. Allez, vas-y, je vais faire ça, moi. T'inquiète, je suis un homme qui aime le risque. Ok. C'est beau. C'est à toi. Yes. Bon, Zadie. Eh bien, moi, je suis un aigle. Donc, je vais jouer un aigle. Désolé, la vanne sera perpétuelle. Et je dis que j'aimerais bien poser un aigle. Oui, c'est un endroit, mais lourd. Dans la prairie. Un aigle dans la prairie. Pa-pa-pa-rap. Pa-pa-rap. Oh, il l'a, putain. Pa-pa-pa-rap. J'ai pas trop compris. On l'a évidemment. Au départ, je sais pas trop comment jouer. T'as pas la ref. Pas du tout. T'es trop jeune. T'es trop jeune, Marie Grandjeu. Et pourtant, quel âge ? Quel âge j'ai ? T'as 28, non ? Tu sais quel 27. Non, mais vous foutez de moi ? T'es invité à quoi cette année ? Ah, c'est vrai. Moi, ça va, je suis pas invité, donc je m'en fous. Mais si, je alors, en fait, personne n'est invité, puisque elle a décidé de faire ça à la pire date. Oui, mais ça se trouve, je changerai. On n'est pas. Peut-être que je vais déplacer.
Mais bien sûr que oui, t'es invité. C'est invité. Effectivement, on est. T'as fait une invitation Facebook. Invité pour les 43 ans de Marie. Et ce sera un plaisir de suivre ça. À la coupole à Montparnasse. Let's go avec toutes les. 30 toutes ans, les mamies. 30 pile poil. Ah bah tu les fais pas, tu veux que je te dise. Je vous invite au Fouquet's avec l'argent des abonnés. Et ça, c'est vraiment super. Merci à toi. Sympa. Merci Marie Jordi. Pardon, excusez-moi, c'est à moi de poser un aigle et comme je suis un fils d'eux, je ne l'ai toujours pas fait. Je dois mettre un aigle dans le desert. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû. Et dans le desert, je vais mettre un aigle. Je viens de penser que je me suis trompée sur une explication de règle tout à l'heure. Ouah ! Mais c'est léger. Et en fait, c'est que je me suis dit, c'est bizarre, je suis sûre qu'il y a ce truc-là et je ne l'ai pas vu parce que j'étais à l'envers et je ne sais pas, je dois avoir. Mais si, maintenant je le revois. Ici, c'est adjacent à un geyser. Bien sûr. Où tu veux, mais adjacent à un geyser. Ok. Alors, fuck. Ok. Elle fait... Ah d'accord. Bah, elle... Pas de problème alors. Il y a eu un... Elle fait 45 ans dans le chat. Je sais pas qui est cette personne. Est-ce qu'on peut ban les gens ou fait 40... Ah oui, 43 comme Dina. Toute femme dont vous ne savez pas l'âge, dites-vous qu'elle a 43. Comme ça, vous serez jamais déçus. Pauvre Dina. 43. La pauvre Dina. Mais en fait, elle avait 34. Ouais. Et on a fait la blague de dire ouais, c'est 43. Je crois on a inversé les chiffres. C'est resté. À... Et en fait, le truc c'est que en vrai, elle s'en fout. Mais tu sais, elle a overreact en émission. Elle est en mode « Quoi ? Mais arrêtez de dire ça !» et tout, nanana. Tu sais, genre, ça l'a touché. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait pas dans une cour de récré quand on te dit « Ah, t'as un gros nez ?» Tu dis pas « Mais non, arrêtez de critiquer mon nez !» Tu dis rien. Tu dis « Oui, bah ta mère, elle a un gros cul, et alors ?» Et hop, ça met les choses à plat et fin du buzz. Comme elle a évidemment overreact, bah on s'est... Vous êtes fait on, plaisir. On l'a titillé pendant des années, hein. Chaque anniversaire, on était là. Putain, oh, toujours 43, ça. J'avoue, mec. C'était un délire. Le petit running gag. On l'adore. Bisous, Dina. Gros bisous, qui va porter la flamme olympique, hein, franchement. Huge GG. Pour mais de vrai, toujours... bah, c'est pas une blague. C'est vrai. Ouais, ouais. Bah, ouais. Bah, les championnes olympiques. Elle est championne donc, olympique de Just Dance. Ok, trop bien. Et elle est sponsorée par Coca-Cola. Alors. Le sport, Coca-Cola. J'adore le coca, hein, ouais. Et je trouve toujours ça particulier. Bah, le diabète au Mexique, donc je sais pas trop, les enfants ont pèse au Mexique à cause de coca, entre guillemets, je sais pas trop, mais bon, voilà. Voilà. C'est à qui de jouer, moi j'ai mis mon aigle. C'est bon, il faut juste que tu remettes une tulasse, c'est à toi, je et après dire. C'est à Marie GRD. Eh bien... Une partie qui prendra 4 heures, évidemment, sur un jeu de 30 minutes et plus. Bah, on a beaucoup d'anecdotes hors Caldera Park, c'est pour ça. Raconter, les gars. Eh bien moi, je vais vous demander de poser un lac. Après, il y a le mec du feu qui l'apporte. Si oui, bah oui, Baptiste. Baptiste. Ouais, je suis une traînette. Mais t'es pas bien, Baptiste. Bah si, si je suis très net. Je suis une traînette. Mais t'es pas net. J'ai pas la ref. Vivement ah, Nils pour le ski. C'est un mec. Ah oui, j'avoue. Ah, Nils pour le ski, ça serait trop, ça serait drôle. Trop drôle. Ah bah bravo, bah, bravo Nils. Merci, super pour l'appareil photo. Ah, t'es rendu un petit con. T'as, hein. T'as pas les mêmes. T'as pas tous les mêmes internet. Ça, c'est masterclass. Ah ouais. Faut qu'on te les raconte. Baptiste, c'est un mec. C'est un gamin, c'est un ado, quoi. Et en fait, il est dans sa chambre, il est en train de se filmer sur Facebook Live. Et en fait, il est en train de faire du feu dans sa chambre. Donc en fait, c'est une sorte de tasse, quoi, un truc. Tu sais, il est genre torse nu, assis, il a mis du sable autour et tout, il allume le truc. Et en fait, pendant qu'il se filme, il y a son frère en fait, qui a prévenu sa mère, parce qu'il voit le live. Et sa mère a débarqué dans la chambre, elle fait « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Mais t'es pas bien, t'es pas net !» Il fait « Mais si, je suis très net. » Et il a l'air défoncé parce qu'en fait, il est sous somnifère. En gros, il avait des examens ou je sais plus quoi le lendemain, et comme il fallait absolument qu'il dorme, il a pris des somnifères. Et du coup, quand t'es somnifère, t'es shooté, quoi. Ouais. Et donc, bah, il commence à faire des trucs débiles et il répond comme s'il était camé, alors que non, il est juste somnifère. Et du coup, c'est il a incroyable. Fait du feu, il a réussi à faire du feu. Et en fait, oui, bah, ah oui, non, il fait du feu, mais c'est juste, c'est dangereux ouais. Et que c'est il sa manière sable, de répondre. Le jette dedans, les flammes, elles prennent. Enfin, bref. C'est où ? Et qu'il est totalement con. On dirait un chaman. Je le crache pas. On dirait un chaman, il est là, il prend du sable en mode. Rafiki dans le Roi Lion. Exactement. C'est trop drôle. Et bref, et en fait, la vidéo, elle a fait des millions de vues. Il a fini par la supprimer, mais elle a été repostée. C'était viral. Internet. Et en fait, c'était il y a genre 6 ans, tu vois. Oh, c'était pas il y a plus encore. Tu crois ? C'est pas il y a 10 ans, non ? J'ai l'impression qu'elle est très vieille cette vidéo. Parce que j'ai vu une vidéo de lui il y a pas très longtemps, où en gros, il raconte ça. Et en fait, depuis, bah, il a grandi de ouf. Maintenant, ouais, et il est tatoué partout, il est stock. Il est beau gosse, hein. Et en vrai, oui, ouais, bah, mieux qu'à l'époque. Plutôt beau gosse. Et en fait, bah, il explique du coup qu'il était sous somnifère, machin et tout. Et voilà, il a l'air d'aller plutôt bien. C'est vrai. Okay. Il est à fond en mode défense de l'écologie et de nos amis les animaux. D'ailleurs. Légèrement pyromane, mais... Bon, on brûle, ça, mais pas les forêts. Voilà, exactement. Allez. On était en train, actuellement, de poser... Un lac. Un lac. Yes, pardon. Où on veut.
T'as posé ton lac ? Oui, j'ai posé mon lac. Mais t'es allé si vite, meuf ! Et franchement, j'étais. Un lac. Là, quoi. Zouz en veut. Du Connemara. Du Connemara. Des. Il vient du nord. Colore la terre. Les lacs. C'est bon ? C'est ça m'a l'air d'être. Décor. Du Connemara. Oh, il y a des élans dans le jeu. Des nuages noirs. Alors attention, parce que quand on chante Sardou, on devient automatiquement raciste. C'est exactement ce que j'avais en tête. Ça peut arriver très vite. Tout de suite, tu peux déraper sur « Au temps béni des colonies » et c'est fini. Ça, c'est très bizarre, ça, les gens qui... Tu sais, genre... Comme si je chantais du Michael Jackson, qu'on me disait « Ah, donc toi, en fait, tu violes des enfants, du coup. » T'es là-bas. Bah non, en fait, je chantais juste une chanson. Ouais, ouais. Dès que, t'as le malheur de dire j'aime bien Sardou, tu passes immédiatement pour le roi des enculés. T'es en mode bon, bah, il y a peut-être une marge. Pardon. Mais pas, on a dérivé sur un sujet politique. En vrai, c'est. Pas que Sardou chantait. Moi, j'ai vraiment pas de culture. C'est vrai ouais. Sardou, lac du Connemara. Mais si. Mais je connais la chanson. Femme des années 80, oui, femme jusqu'au bout des seins. Et en réussite, ne m'appelais plus jamais. Il y avait un concert il y a pas longtemps, je crois, qui passait à Bercy. Et j'ai une copine qui est allée le voir, et j'étais en soirée, elle dit « Ouais, je suis allé voir Sardou, c'était trop bien, machin. » Et direct, il y a quelqu'un qui a fait « Oh putain, non, moi Sardou, je peux pas, c'est trop un bâtard. » Wesh. Bah, à l'époque, peut-être qu'on savait pas autant. Moi, j'étais petit quand Sardou était une rockstar, donc... Enfin, en tout cas, un gars connu, donc... En France, une hein, rockstar en France, Sardou, c'est vrai, t'as Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Sardou, tu vois. C'est vrai que c'est le Et j'étais petit, donc moi, ça m'a marqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'écouterais plus du Sardou. Mais je respecte, enfin, je m'en fous, tu vois. Mais aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Mais je peux pas dire que j'écoutais pas à l'époque, tu vois. Faudrait faire un quiz entre Marie et Xari. Pourquoi il a pas de... Non, justement, c'est genre, il a énormément de culture. Oui, du coup, pour voir à quel point il peut te mettre un écart. Oh, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle de faire un jeu où t'invites. Bon, ce serait horrible en 2024. On se ferait insulter de faire ça, mais t'invites quelqu'un qui est très très con. Pas juste ah bah de culture, juste non, qui possible. Est vraiment archi con. Ah et tu fais défiler des candidats contre lui. Ah et le jeu, c'est à qui lui mettra le plus de points dans la gueule. TPK est pas dispo tout le temps. C'est pas possible. On l'embrasse. Équiper évidemment. Ça évidemment, lui envoyer sur Twitter. On embrasse très fort. Il sera ravi. Bon, moi j'ai posé 4 tuiles. Tout le monde a posé 4 tuiles. Oui, on est où ça? À moi de choisir. Qu'est-ce que tu vends, Max? Merde alors. Et refill ta. Refill. D'abord, je fais ce que je veux. Et bon, ensuite, je réfléchis. Alors, il faut poser un élan, un buffle ou une chèvre. Je sens qu'il y a eu un bug. Il y a eu un bug à un moment. Déjà. Au bout de 3 tours de jeu. Bah non, mais ce qui va pas, c'est qu'on n'a pas le même nombre de tuiles là. Et c'est que je me dis que peut-être, si on a le même nombre de tuiles, j'ai rien dit. Allez-y. Allez, on fait ça. Et. On salue évidemment l'alcool hein, qui coule directement dans les veines de Marie et qui fait son effet actuellement. L'alcool, c'est relou de dire du mal. Même on va prendre un buff. Par contre, mes 130 minutes de transport d'hier soir... Et vous allez le mettre où vous voulez, mais ici. C'est-à-dire à côté d'un Jesus. Un buffle. Il n'a qu'un seul buffle. Tu vas faire ce que je te dis et tu vas le faire maintenant. Mais ça va, il est avec un aigle alors. Ah non, à côté d'un geyser. Non, ça va pas. Pas trop bien. Ça me va pas parce que je me baise le loup. Je me baise le loup, le renard et la belette. Non, mais quand t'es petit, tu sais pas que ça c'est un truc un peu. Ouais, mais qu'est-ce que je veux dire? Déjà, tu sais pas que c'est un bateau en vrai. Moi, premier degré, quand il disait ne m'appelez plus jamais France, moi j'étais persuadé que c'était le bateau, le France. Un paquebot. Bah ouais. Et aucun rapport. Bref. Bah après, c'est parce que à l'époque, je crois que le paquebot avait été vendu ou prêté ou je sais pas qui à quelqu'un d'autre. Et ouais, et du coup, et c'est un double lien très nationaliste. Donc en vrai, mec, t'étais. Moi, j'avais pas ça par contre, comme bref. J'avais juste, il veut plus qu'on l'appelle comme le pays, mais pas du tout. Pas du tout. Mais ça, ouais, ça par contre, c'est très très vieux. C'est justement la ref. Oui, c'est ça. Ah, c'est la ref en fait. Ouais, c'est le bateau, ouais. Ah, donc j'étais pas si loin, ok. Ouais, ouais. C'est littéralement. Mais alors, ça. Du coup, en fait, je me souviens plus des paroles. Je connais que le refrain. Donc je ne sais pas ce qu'il raconte en fait sur ce bateau. Mais je crois que alors le chat aura la ref et les gars en commentaire aussi. Mais il me semble qu'il y a un paquebot de français qui s'appelait le France et en fait il a été vendu à un autre pays et ça lui a déchiré le cœur de patriote de voir que le joyau de la nation France, voilà à un autre pays ça a pas de sens. Il me semble que c'est ça. En vrai. Grosso modo. Mais peut-être je me trompe les amis.
Sur bon. Le papier, c'est un peu comme les droits intentionnels. C'est bon. Je regardais pour quelqu'un du chat qui a dit c'est pas des buffs, c'est des bisons. C'est vrai, c'est des bisons. Donc, alors, on arrête de dire. Dans un premier temps, c'est ce que je veux. D'accord, mais c'est des bisons. Et moi, je voulais expliquer en disant buffle, mais en effet, c'est bien des bisons. Et c'est pas des chèvres, c'est des chèvres des montagnes. Wow. Ok. C'est important de la précision. Voilà. Donc moi, j'ai posé mon bison. C'est bon pour moi ! J'avais envie de crier. Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai très mal positionné. Ok, à mon tour. On va poser... Vas-y. Et on discute dans cette émission. Aïe, papote, on papote. Ça a été vendu aux États-Unis ? Et ben voilà. Ah, du coup, c'était le bateau. Ok. Et donc, ouais, dans ma tête, c'était le bateau. Et je me suis... Puis en fait, je me suis dit, non, ça va avoir aucun rapport. Une chèvre sur la rivière. Une chèvre sur la rivière. Ouais, c'est le nouveau film français avec... J'avoue que... c'est le nouveau avec film Christian de Jean-Pierre Jeunet. Voilà. Une chèvre sur la rivière. Non, attends, une chèvre sur la rivière, ce serait du Quentin Dupieux, je pense. Une chèvre sur la rivière, putain. Une chèvre. Une chèvre sur la une rivière. Une chèvre sur la rivière. Tu avais aussi le... Ça rend si bien. Ça rend vraiment si bien, c'est terrible. Histoire d'une chèvre qui marchait sur la rivière, alors que la chèvre glissait au bord de l'eau. Eh bien, je vais la mettre dans le... Ça rend vachement bien. Comme ça. Hop. Et donc là, pas le choix, nous posons un élan sur de la montagne. Un élan. C'est à qui, ça ? Qui a décidé ? Bah, c'est ce qui reste. Toi qui as commencé ? Oui, du toi, coup. Toi, moi, Adi, toi, moi, Adi, toi. Oui, c'est normal. Là, en fait, après, ça fait ça. Ça me va. C'est tout calculé. C'est tout calculé. C'est tout calculé. Élan sur la montagne, c'est pas ouf. Élan sur la montagne. Ça film. Fait penser à du Mano. C'est l'élan sur la montagne. Et la montagne armoricaine. Voilà, jamais. Ça va être long, cette émission. Là, je sais, c'est la tribu de David. Oui, oui. Let's go, Marie. Un point. C'est la référence. En même temps, Adi, il a pour le coup vraiment 43 ans. En vrai, je crois que t'es beaucoup plus vieux que l'âge que tu fais. Toi, t'as quel âge? Oui, je vais sur mes 37. Oh, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ses gueules, on dirait qu'il est encore puceau, le bâtard. Il a 37 ans. Ça, c'est pas incompatible. Mais non, mais enfin, c'est quand même peu commun. C'est fou. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, j'en fais 39 alors que putain. Bref. Non, quand même pas. Les gènes. Quand même pas. Ok, c'est bon. C'est Walid. Non, mais moi, c'est pas bon. Donc, vous allez me calmer direct, en fait. Pardon. L'élan, j'ai ça ou ça. Donc, il faut que je choisisse. Non, est-ce que un troisième aussi là-bas. Mais attends, c'est quoi? C'est un élan. Ah, c'est un triple élan. Alors, voilà. Donc, quand je disais les dessins puent sa mère. C'est vrai que le petit, j'ai. On a passé un cap tout à l'heure. C'était le 2 ans. Non, mais. Oui, parce que des fois, je suis gentil, je respecte les gens. Là, il n'y a pas de respect. Regardez. En vrai, lui, là, le dernier. Bébé, ouais, mais j'avais pas vu au début, moi aussi. Excuse-moi, mais. Je crois que c'était un loup, en vrai, ou un chien de. Bref. C'est avant qu'il ait ses petites cornes. C'est un âne. Oh. Tout au mieux, c'est un âne. Ah, ouais, un âne. Un putain de quéton, d'accord. Donc, pardon, mais. Oui. Un effort, quoi, merde. Ok. Bien après, vu. Si ça se trouve, vous savez quoi? Je vais peut-être présenter mes excuses. Tu vas regarder. Ok. Je vais regarder la gueule très d'un bien. Élan bébé. Bébé, élan. Trop mimes. Two mimes. Eh bien, c'est le moment où je présente mes excuses. Bah oui, mais c'est ce que je vous ai dit, moi, c'était que c'était un bébé. Ah, mais me mets pas dedans. Car un bébé élan, ça ressemble à un putain de quéton. Bah oui, donc tu vois, ça marche bien. Hein. Donc j'ai tort. Bah c'est quand même moche, mais bon. Oui, mais c'est pas. Ça c'est moche, si mais au moins c'est exact. Non, mais c'est exact. C'est le seul animal bébé moche. Ah non, quoi que les pigeons aussi, c'est très laid. Allez. Alors je dois le poser où, pardon ? Montagne. Montagne, ça me va carrément. Bah carrément, je vais le poser là. Ah oui, montagne, on a le droit de le mettre sur montagne rivière. Oui. Ah oui. Ce qui m'aide un peu à remplir la rivière. Tu noteras d'ailleurs que j'ai. Tu l'as déjà forcément fait quelque part parce qu'il n'y a pas eu trois rivières, tu vois. Si. Non. Si. Il y a une seule rivière. Si. À un moment, on pouvait le poser où on voulait. Et je l'ai posé où je voulais. Parce que j'avais pas de machin. Oui. Oui, d'accord. D'accord. C'est à moi de devenir la marmotte. Ah ! Événement météorologique. Événement météo. Explosion. On fait aussi. Hop. On remet à zéro. Alors. Oh, damn fuck. Donc là, on prend au pif un truc ou. Le truc visible. Ouais.
C'est ça. Mais sachant que t'es obligé de le mettre au prochain truc. Tadam ! On va prendre au pif et ce sera... Ouh, comme ça m'arrange. Il y a malheureusement trop de vent. Ça m'arrange tellement. Donc, pas d'élan et pas d'aigle parce que bah, trop de vent dans l'élan, il n'arrive plus à avancer. Et trop de vent dans l'aigle, il n'arrive plus à avancer. Non, je suis triste. J'ai commencé ma famille d'ours par là et j'ai pas le droit de mettre d'ours. Moi, c'est tout ce qui est doublon, j'ai pas le droit. Merci, Adi. Je t'en supplie. Voilà, donc, tout ce qui est quoi ? Tout ce qui est doublon. Deux animaux. Deux animaux, je peux pas. Donc, ah, bah oui. Je m'en branle. Voilà. Les amis, on continue directement et je vais vous imposer. D'abord, on va remplir les trous. Impose-nous. Je parle bien du jeu. Oui. Si on n'a pas d'élan ici, qu'est-ce que j'ai pas, moi ? T'as pas de bison. Et donc, vous avez posé une chèvre. Fait chier. J'aime pas trop beaucoup ça. J'ai pas de bison. C'est vrai. Vous avez des bisons ? Oui, j'en ai plein des bisons. Une chèvre, on la met où, la chèvre ? En fait, t'as raison, vous avez posé des bisons. Ah, très bien. Et vous avez posé des bisons... Ouais, ça vous a autour d'un cratère où on veut. D'un geyser, pardon. Vous allez me poser des bisons. Je regarde un peu ce que vous faites. Attends, t'as mis ça là, toi ? Vous allez me poser un bison. Autour d'un geyser où vous voulez. Oh putain, ça a marché. Oh, j'ai que mon triple bison, non ? Et comme ça, moi, je vais aller pouvoir foutre ce que je veux où je veux. Et ça, ça m'arrive. Oh, ça m'arrange pas du tout. Sinon, je fais ça. Non, pas ce que tu veux où tu veux. Autour d'un. Bison, aigle. Oui, d'accord, mais c'est ce que je veux quand même. Ça me fait chier. Voilà. Super, Marie. Des grossièretés, heure de grande écoute devant des enfants. Eh ben. Elle me coupe la bite. C'est drôle. Vous êtes drôle. Pas autant que Rofellos, mais bon, on essaye. Bah, oui, mais Rofellos, il est puni. Tchèf. Oh, mais si je le mets là, que je me fais manger mes trois bisons, c'est triste quand même. Ouah, mes élans, ils sont placés vraiment à la zone. Je vais les mettre là, allez, vas-y. C'est un délire. C'est bon pour moi. C'est bon. Changement de stratégie. Attends, mais c'est vrai qu'il y a un loup ici. La merde. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça du tout, excusez-moi. Donc c'est pas bon. Ah, c'est dur ça. Hein. Je vais le mettre là, c'est bien. Voilà. À vous. Je suis un aigle. Et on va mettre les aigles forcément sur une rivière. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Ok, c'est très bien. Un aigle forcément sur une rivière. Je suis ravi de ce choix. Bravo. Bah, ça me fait plaisir. Bravo. Voilà. Moi, je vais mettre. Mademoiselle Juliette Alizé. Un ours dans la forêt. Un ours dans la forêt. J'ai pas d'ours, je peux mettre ce que je veux dans la forêt. Un ours. Ouais, moi je regarde pas. Dans la forêt. Let's gong. J'ai des ours. Dans la forêt. Ah, dans la forêt, c'est vraiment. Ça intéresse ce que personne. Hein. Ouais, franchement, la forêt, c'est le truc que j'ai le moins grind en fait. Bah ouais. Bah. Voilà. Si t'étais une connasse, t'aurais fait la même chose. Un ours dans la forêt. C'est parce que je le suis. Un film de Cédric Lapiche. Eh bien, un ours dans la forêt. Eh bien, comme je n'ai pas d'ours, ça sera deux bisons. Film de Gérard Junior. Mais c'est bien ça, deux bisons. Ouais, en vrai, c'est ok, mais je suis pas convaincu. Mais tranquille. On va. C'est à mon tour. Prendre. Ah, c'est à toi. Merde, je crois que c'est à moi. Il me semble. Ouais, t'as raison. Non, c'est moi, je vais vous tricher. Et je vais vous proposer elle. Toi, t'as pas de. Y a pas de buffle.
Tiger. Moi, j'ai pas de... Non, j'ai tout. Si, t'as tout. Oh, le texteur. T'as tout de bain. Oh, tout de bon, caray. Oh, putain, comment ça me parle portugais, là. Si, non. Si, j'ai pas d'ours. T'as pas d'ours. De toute façon, l'ours, il a déjà été joué. Mais de toute façon, l'ours, il est... Ouais. J'ai pas d'ours, moi. J'ai pas posé un ours de la game, en fait. Bah, ils sont... J'ai pas posé un ours de la partie. Ils sont punis. Très bien, vous allez me mettre... Ce sont des rofellos. Ils sont tous punis. Un lac. Et vous allez le mettre où vous voulez. D'accord. Oh, c'est démoniaque. Il reste quoi? Il reste ça et ça. Donc ouais, on va faire ça. Putain, le mastermind. Je suis pas hyper convaincu par ce que je fais, mais... Un guigny, là. C'est... Ah, un ours! Et ben voilà, il suffisait de demander. Mon premier ours. Mon premier... Il est trop mignon, en plus. Petit ours brun. De fou. Ok. C'est bon pour toi, Max? C'est bon pour moi. Allez, refill. Et on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai pas pensé à mon tour, désolé. Donc on a ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse le plus. C'est ouf la capacité de Marie à pouvoir être focus à 100% sur le jeu, sachant que Rofellos est seul dans un nid à l'étage qui est mental. Ah, je m'attendais tellement pas à cette histoire. C'est clair. On va prendre un élan dans la prairie, s'il vous plaît. Oh là là. Un élan dans la prairie. Du coup, je peux le mettre là. Oui. Même s'il y a le c'est truc. Une prairie. Okay. Tout à fait. Eh ben voilà, un élan dans la prairie. Un élan dans la prairie. Tu penseras à aller te faire foutre juste après l'émission. J'y vais là en courant. Moi j'aime bien ce que tu fais à chaque fois, dis donc. Moi je te dis merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci Marie. Les mots sont durs. Voilà, voilà. Oh là là, j'aurais pas dû le faire. Très bien. Et pour compter les points, ça doit être un calvaire en vrai. Non, tu vas voir, c'est très simple. Ok. Tu m'as séché direct. Direct, tu m'as séché direct. T'aurais ajouté connard à la fin, ça marchait très c'était bien. C'était tout pareil. Alors, est-ce que je vais jouer des chèvres? Toi, t'as une chèvre? J'ai une chèvre, ouais, une seule. Même, parce que... J'ai une seule chèvre. Eh bien, je vais mettre une chèvre. Mais d'accord que là, on vient de placer un aigle, hein, c'est ça? Une chèvre, oui. Sur la cascade. Non. Une chèvre, on a placé juste avant. Non, un élan. Là, on doit le mettre. Ah. On a placé un élan? Oui. Non. Si. Un élan dans le désert, oui. T'as raison, c'est bon. Donc là, on place une chèvre. Sur une cascade. Chèvre sur cascade. Sur une cascade. En fait, j'aimerais vous faire de la réale en zoomant sur les trucs et tout, mais en fait, comme tout le monde joue en même temps, c'est vraiment pas... C'est très chiant, la chèvre sur la cascade, en vrai. Je sais, j'ai regardé, j'ai l'impression que ça avait l'air de vous faire chier. Ok. Alors, bon, chèvre bah, cascade, je crois que j'en ai absolument rien à branler. Je mets ça là. Il va falloir que je me laisse. J'ai même que ça me va super bien. Ah ouais. Je crois qu'il n'y a aucun monde où vous gagnez. Ouais, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire, Maxilan? Oui. En fait, je l'ai mis là en me disant bah là, je risque rien vu que la chèvre est déjà là. Bravo, connard. Ah, bref, vu comme ça, j'avoue, on va pas gagner. Jouer, ouais. Le premier rollback. Rollback d'un homme qui disait qu'il allait gagner et qu'on avait aucune chance. Eh ben, je vais me mettre là. On peut y aller. Ok. C'est bien des ours. Et ce n'est pas des grizzlies. Ce sont des gris-ours. C'est à qui de jouer? Bah là, on met forcément loup, ouais, sur montagne. Et donc, c'est forcément moi qui décide. Et après, ce sera Adi. Donc, loup sur montagne. Allons-y. Et moi, j'ai pas de loup. Et ça, c'est bien. Donc, ce que je veux sur montagne. Loup sur montagne. Ça va être très long. Ça casse la couille. Ça mange peu. Loup sur montagne, c'est vraiment un chien. Un monde où on le sacrifie. Oh, tu le sacrifies. Il y a un monde où Julie allait se faire foutre. D'accord. Ok, lui après il ira là, lui il ira là, lui il ira là. Bon, ce que je sacrifie. Allez. Il va te faire cuire le cul.
Voilà. Un fichier. Touk, touk, touk. On redescend tout. Et attention, événement météo. Événement météo. Alors, c'est tout là-haut. Je risque pas grand-chose. Donc, je vais prendre ça. Ça me convient. Pas d'ours, patch. Et poupou. Pas de doublon. C'est pas ouf, mais c'est pas ouf. J'avoue que toi, t'es maudite. Ouais, parce qu'en fait, mes chèvres, là, elles arrivent là et. Mm-hmm. Elles veulent revenir à la montagne. Ouais, c'est ça. Donc, bah ouais. Donc, et donc, ça va, tu vas les poser là. Ouais, mais c'était la place pour mes ours, mais non. À voir. C'est à moi de commencer, il me semble. C'est à moi de bêtises. Tout à fait, tu prends la marmotte. Ouais. Tu es une marmotte, petit Addy. C'est le jour de la marmotte. On aura placé quoi qu'il tous les trucs. Hein. Tout à fait. Rien. Et au Laker. Addy ! Ouais, on va passer sur un. Ah, j'hésite, est-ce qu'on fait ça ? C'est nul. Ça je vois aucun monde où je gagne pas cette game. Oh là là, tu sais que la dernière fois qu'on a joué, t'as fait exactement cette remarque et je t'ai roulé dessus. Ah, la violence d'une femme. Je monte mon plateau, je crois que c'est assez clair. Voilà. Je donne pas plus d'indices, mais. On va pas... Non, je dois être RP aigle. Retenez-vous d'applaudir, ça donne des indices, d'accord ? Retenez-vous d'applaudir. Là, genre... Bon, RP aigle, donc je suis un aigle et je vais dire que les aigles doivent aller sur la rivière. Aigle river. Je vais prendre mon aigle et je vais le mettre on the river. Aigle on the river. Aigle on the river. Je suis pas très fan de ce que vous faites. Aigle on the river. Yeah. C'est de la merde là ce qui se passe. Hein. Alors, est-ce qu'une cascade, par exemple cette cascade là, techniquement elle est cascade et rivière? Non, c'est une cascade. Marie. Pour moi, c'est une cascade. Il n'y a pas de pour moi, la règle. je suis désolé de vous dire que non. La rivière passe par la cascade. Non. Donc elle est à la fois cascade et à la fois rivière. Non. Sinon, ils auraient pas fait ça. En plus, c'est pas une cascade, c'est une chute d'eau. Oui, d'accord. On va jouer avec les mots. Alors. Tu me poses la question de. Oh, elle a défoncé les règles. Les règles, il y a un petit. Je te pose la question de est-ce que la chute d'eau est aussi une rivière ? Pour moi, il y a deux rivières qui sont aussi. Il y a deux cases, pardon, il y a deux cases chute d'eau qui sont sur la rivière. En bas et tout en haut. Ouais, ouais. Et donc, en plus, je te demande ça alors que j'ai pas du tout envie de poser ma tuile ici, hein, mais au moins, ça sera intéressant pour plus tard. Sur la rivière, cet aigle, soit je le mets là, et je crois que c'est ok tiers, mais il faudra pas se rater. En fait, tu vois, par exemple, j'ai pas l'impression que ce soit dit, j'ai pas tout lu, mais à la fin, quand tu comptes les points de victoire, quand ils te disent gagner 8 points si vous avez recouvert toutes vos cases rivières, j'ai pas l'impression que celle-ci, elle compte. Bah, je peux te le dire assez. Alors, si, je peux te dire que si. D'un point de vue équilibrage, il y a 4 cases rivières dans la forêt, 8 cases rivières dans le désert et 4 cases rivières dans la montagne. Donc, le fait que ce soit des multiples. Non, mais il y a plus que 4 cases rivières dans la montagne. Hein. Non. Ah non ? Oui, mais ça pourrait être. Moi, ouais, je sais pas. Ce qui fait du coup tout pile 16 cases rivières. Ce qui voudrait dire que tu gagnerais un point toutes les deux cases rivières recouvertes. C'est. Tu vois, c'est élégant. Ça rentre tout pile. Donc, à mon avis, j'ai raison. Je suis pas hyper d'accord avec ce que tu dis. Ah, mais les maths sont d'accord avec moi. Mais peut-être, hein. Je vois pas l'info. La chute d'eau commence dans une rivière et tombe dans une rivière. Ouais. C'est vrai que sur le plateau, on voit que ça. Ok. Je pense que tu vas me l'accorder. Je te l'accorde. Moi, j'ai positionné. Moi aussi. Bon, eh ben, alors c'est à moi, Marie Grandjeu. Alors, stratégiquement, il faut positionner rapidement. Mm-mm. 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 Mm-mm.
Ça fait parti en couille. Qui craque. Élan. Ouais. Ouais. Ouais, attention à ce que tu as fait, Marion. Élan, élan, élan. Fais lever. Sur prairie. Ah, c'est prairie, chiant. Prairie, prairie, prairie. C'est vrai que je ne montre jamais un hein, petit case, mais. Je crois que je vais abandonner mes buffles ou j'abandonne mes ours. Oh, c'est très chiant là. Mes ours, de toute façon, je pourrais pas très, tous très les chiant, mettre, donc je vais abandonner mes ours. Elle a mis élan sur prairie. Hein. Ouais. D'accord. Oh, c'est relou de zinzin. Alors, on va prendre cet élan. Élan sur prairie. On va vraiment le mettre sur cette prairie. J'ai abandonné mes ours. Voilà. Je tiens à le dire. Tu n'es donc pas une sœur des ours ? Non, bah du coup là, je suis pas du tout une sœur des ours. Hein. L'air du vent. Oh, lui, il faut tellement qu'il aille là. Courons dans les forêts d'or et de lumière. Heurtejons-nous les murs de la vie. Je sais que la pierre, le sang et les fleurs. Pour ton esprit. C'est à moi de jouer. Il me semble. Tout le monde a posé. Oui. Oui. On va partir avec. Ta-la-ta-ta-la-la. J'ai envie de faire ça. On va poser directement le loup sur une case de. Non, de chute d'eau. Non. Hop là. Bah, je vais mettre là et peut-être qu'ils vont mourir. Voilà. Ah, c'est relou. Je suicide potentiellement. Peut-être qu'ils vont mourir, tes petits loups. Mais ce sera vraiment très triste. Oh, ça me baise fort. Prends beaucoup de plaisir ? Pas trop, non. La prostate n'a pas été atteinte. Peu de consentement. Du coup, ce n'est pas bon. Mais c'est à toi. Ah ! Eh oui. Du coup, ça change tout. Peut-être que l'angle sera pas si mauvais que ça, finalement. Alors ah, ça te fait rire, ça. J'ai l'impression... Bon, je suis désolé, j'ai l'impression que c'est moi qui dis de la merde. Oui. J'ai l'impression que ça, je l'ai... Ah non, on l'a pas posé. Non, vas-y, fais comme si je n'existais pas. C'est bien. Pas de souci. D'accord. Il reste quoi ? Il reste les ours, il reste les bisons et les... Les lacs. Chèvres des montagnes. Et les lacs. Et les lacs aussi. Mais les lacs, mec. Ouais, non. Mais les lacs, mec. Je joue les lacs, mec. Oh, c'est chiant. Avec un accent Renoir des années 80. Je joue les lacs, mec. Écoute-moi bien, mec. Tu vas jouer les lacs. Ça rend fou. Ça rend fou. On joue pas les lacs, du coup. Quoi, tu veux les lacs ? Non, t'as rien à foutre, on va juste. Ça peut juste rire de tiers. Les lacs, mec. Écoute-moi bien, Bradley. Bison ! Oui. Sur oh, c'est trop bien, merci. Le bison près du Jesus. Près du Jesus. Tellement parfait. Alors que je n'ai pas de bison, je mets ce que je veux. Pop, pop, pop. Je sais pas si ça m'arrange, mais. Merci. À chaque fois, t'as tellement bien joué, Adi. Je t'en supplie. Le temps. Est-ce que je peux poser on mon jure. Non, laisse tomber. Bison là ? Serait-il futé ce bison ? Partageons-nous les fruits de la vie. Non, il va mourir comme une grosse. Ah, ah là. Bon, oh, alors. Prêt d'un geyser ? Prêt d'un geyser, c'est validé. C'est le triple ours qui va tomber directement ici, près du Jesus. Le triple ours. Le trouble source. Le triple ursidé. L'ursitude. Leur silence. Leur sens. Leur pas sens. Mal. Marie Granger. Ben ouais, mais en fait, les deux trucs qui me restent, ça m'arrange pas des masses. Je vais devoir. J'ai tellement arrangé à chaque fois. J'avoue, ouais. Franchement. Je crois que je vais dire. Fin de tour. Ah merde, c'est pas le même jeu. Non. Comme fait Petit Quick, aime plus quand t'as fait. Genre quand t'as posé sa carte, t'as fait ça, genre fin de tour sur leur canal. C'est vrai ? Ah ouais, fais ça. Elle fait ça ? Je dirais pas dans un spectacle, ça me fume. Et voilà.
Ça me tue, j'avais pas vu. Ah, tu feras attention les prochaines fois, mec. Elle fait tout le temps ça. Elle est terminée. Je crois que je vais vraiment tuer mes ours. Bah, très bien. Donc, je vais dire. Ah, je veux qu'on en fasse un gimmick. Chèvre. Très bien. Sur. Forêt. Chèvre, forêt. Ah, tu joues juste contre moi, quoi. C'est ça le. Moi, pas du tout. Je joue pour moi. Moi, tu sais, moi, j'ai pas regardé vos trucs. Hein. Chèvre. J'ai juste vu que, j'allais tuer mes ours. Et bah, chèvre, forêt, hein. Voilà. On va le sacrifier aussi. Lui. On va bien se faire foutre. En même temps, mes ours, ça va être la mort. Hein. Et donc, c'est à moi de jouer. Ours, montagne ou lac. C'est ça l'idée? Exactement. Eh bien, je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce sera le lac. Ouais, je ne vais pas hésiter longtemps, j'en ai qu'un. Le lac directement. Le lac qui sera posé. Posez ici. Moi, je vais vraiment dire au revoir à mes ours. Hein. Allez, vraiment. Et un bonus si on entoure le volcan. Non, non. Pas, on est vraiment des chiens. Par contre, tu peux rien poser sur. Dans le lac. Je crois que j'essaie de tellement optimiser qu'à la fin, je marquais 0 points. Catastrophique ce que je suis en train de faire. Moi, je rigole si tu mets pas ta météo Joker en bas et que tout pète. DKT Johnson, tout est réglé. Moi, ça me ferait vraiment plaisir que ça. Je suis le héros de cette histoire. Explose. Ça ne peut pas arriver. Tu peux regarder mon plateau, okay, il est bon. Certain que je ne serai pas dérangé par la météo. Et du coup, on termine par. Ours sur montagne. Ours montagne. Alors. Ça, c'est de la merde. Bien, Marie. Ouais. Ours. Un ours montagnard. Oui. On pourra s'éclater au sol, ça. On va toutes les voir, nos tuiles. Oui. Ours sur montagne. Oh, c'est... Si je fais ça, j'ai une paire de baloches. Ours sur montagne, tu peux jouer le lac? Ou pas? Ah oui, ça c'était là d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce qu'on ferait ça, ours sur montagne, et on le met ici? Oh là 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 là, j'aime pas prendre des risques comme ça, là, ça m'énerve. Allez, prends des risques. Allez, prends des risques. Oh là là là. La jonction, Death Junctions. Je crois qu'il ne faut pas prendre ce risque. Et donc, je ne vais pas prendre ce risque, Bradley. Et après. Attention à toutes et à tous, c'est. Attends. J'y... Là. Mais. J'y suis pas. Non, je vais météo. Tant pis, là. Si je me fais zob, en vrai, je pense que c'est pas grave. Tu peux mettre ton Joker. Non. Je vais le mettre là, le Joker. Je pense qu'il y a plus de points. Parce que le Joker, ça fume tous les trucs qui sont à côté. Hein. Exactement. Ça, ouais, non, ça, c'est trop important. Imagine, là, on te dit, t'as pas de chèvre. J'avoue, c'est. Ouais, non, c'est baisé. Allez, j'ai abandonné cette ours de merde. On y va. Eh bien, météo. Oh, ça darne. Oh, on a eu le même, mais toi, c'est la merde. Pour moi, ça impacte. Bon, le solo. Grave, en vrai, c'est que des bisons. Le solo qui réussit. C'est bon, c'est géré. Ah, mais sachant que j'ai pas forcément le triple ici. Non. Autre chose. Ouais. Il y a plus de trucs que d'emplacement. Quoi. Exactement. Pour justement que tu puisses pas. Calculer. Ça me va, pour le moment je me suis fait pas zub, donc c'est bien. Et là, comme vous pouvez le constater, on a Adi qui va perdre son triple bison, puisqu'il ouais. est à côté de son triple. Voilà. Ouais, bison montagne. C'est pas à toi de commencer? Si. Non. Si non, elle a la marmotte. Moi, il y a la marmotte. Ah, je croyais que tu l'avais et que donc c'était. Non, j'ai fait. Pendant que tu jouais, on a fait le. Eh bien, autant pour moi, bah, pose ce que tu veux. Oui, c'est bien ce que je compte faire. Et je compte faire absolument ça, parce que sinon, c'est la merde pour moi. Loup sur forêt. C'est vraiment en dessous, hein, mais tu y arriveras un jour. Loup sur forêt, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de loup. Du coup, je peux mettre ce que je veux, où je veux. Et ce sera donc un bison en montagne.
Non, non, un bison, bison en forêt. C'est pas non plus la fête du village. J'essaye de te baiser, Marie, mais ça ne marche pas. Et non. Ah, bah, c'est moins marrant, du coup. Bah, sauf qu'en forêt, moi... J'ai vraiment rien qui m'intéresse, quoi. Oh ! Ah ? Encore que... Il est toujours sur le tour d'avant, là, on est d'accord ? Toujours. Oui. Une toujours, petite toujours, toujours. Chèvre. En forêt. Petite chèvre en forêt. Là. Il y a un monde. Il y a un monde où il y a une petite chèvre en forêt. Allez. Il faut que je pense aussi à compléter les trucs, là, la rivière. À compléter. La petite chèvre. Ok, allons-y. C'est à moi de jouer, là. Là, c'est à vous. Ah, donc un putain de bison en montagne. Vous allez m'arrêter de m'emmerder. Bison montagne. Allez. Ouh là là. Alors ça, c'est un triple bison avec un bébé bison. Oui. Ouais, je suis content. Bison en montagne. Bison en montagne. Vous allez mettre un bison en montagne. Allez, c'est fait. J'ai mis un bison en montagne. Le bise-bise. Le zonzon. Oh, ça me pèse. Le bison. Donc là, on est d'accord qu'il ne reste plus que 5 tours. Et c'est terminé. Comment ça, 5 tours ? Ah non, il y a 5 tours, puis... Re... Ah ouais, d'accord. Oui, tout... on joue toutes les tuiles. Vas-y, ok. Easy. On joue toutes nos tuiles. Eh bien, c'est à toi, mon bon ami. Yes, j'arrive tout de suite. Je vais demander... Je continue mon RPG. L'intéressant, c'est le comptage de points. Quand on va découvrir un petit peu qui joue mieux. Primary Maxion serait gagnant à un vote près sur Marie Adi. Ah, ils ont dû faire une... Eh bien, je continue mon RP aigle. RP aigle, je suis un aigle. Un aigle sur... Ouais, peu importe, hein. En vrai, bah les couilles. Sur la river. Aigle sur la river. Je crois que je vais vraiment détruire mes ours. C'est maintenant où je choisis que mes ours meurent. Adieu mes ours. Adieu mes ours. Je vais faire en fait vous voulez faire ça. Don't make me sad about it. Pleure-moi une rivière. C'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson en tête. Parce que rivière. Parce que river. Parce que river. C'est à moi ? Oui, c'est au con qui le braie. Alors, les ours, je m'en fous. Les chèvres, super. Je m'en fous. Les élans, je m'en fous pas. Oui. Hop. Voilà. Tout va bien. Je vais mettre élan sur cascade. Mais non. Non ! Non ! Ouais, j'en ai un. Oh, comment tu casses les couilles ! Quoi ? Comment tu casses les couilles ! Et là, sur cascade, ça me baise ! Oh, t'es relou, Marie, grand jeu de fou ! C'est vrai ? Oh, t'es si casse-couille ! C'est vrai ? Oh, j'en ai rien à foutre ! Oh non, pardon ! Oh, pardon. Mais t'as pas d'élan ? Ah si ! Si, j'ai un élan. Oh, c'est le pire move. Élan sur cascade. Pardon. T'es relou de fou. Élan sur cascade. Un peu pardon. Yeah. Oh, c'est vraiment l'enfer. Mais tu verras qu'on va te faire les points. J'espère que tu vas perdre. Spécialement okay. Pour ça. On fait un pari ? On fait quoi comme pari ? Plein d'idées. Moi j'ai pari que je gagne. C'est vrai ? T'es sûr ? Je pense. Et en fait, t'es tellement sûr de toi que j'ai envie d'être sûr de moi. Ok. Si tu gagnes, tu fais ce qu'a proposé Rofellos hier. J'avais de la vie. Elle aime pas le Monopoly, mec. Tu peux pas la forcer de jouer une partie. Est-ce qu'on parle de la même chose ? Bah, je pense. Ouais. Est-ce qu'on t'a raconté dans le salon tout à l'heure ? Ah non. Attends, quoi ? Non, on parle pas de la même chose. Tu fais ce que Rof t'a proposé hier ? Il m'a proposé beaucoup de choses hier. C'est vrai ? Bon, c'est pas grave. On verra en off. Je sais pas à quoi tu penses, du coup. Toi, tu penses comme moi ? Moi, je pensais comme toi. Mais il est, le Monopoly, ça passe t'as pas. T'as... Ah oui, ok, je vois de quoi tu parles. Non, non, beaucoup plus soft. Non, non, je t'aurais jamais fait ça. C'est pour ça que... Mais les gens qui nous regardent sont en mode, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je suis pas un malade.
Mais en vrai, c'était très drôle parce que hier, retournant à l'Orcada, quand vous êtes partis, oui. avec Rof, on est resté très longtemps puisqu'on attendait que Romain joue. Et du coup, on parlait avec plein de gens qui étaient là, qui nous suivaient un peu et tout. Et du coup, bah, on se chambre comme on chambre en émission. Et les gens étaient là. Ah, mais en fait. Vous êtes dans la vraie vie, mais exactement pareil qu'en live. Et genre, les gens étaient là. C'est un spectacle. Mais en fait, Rof, ce que tu proposes à Marie en live, tu le fais vraiment en vrai. Et bien je fais sûr. Oui. Et en fait, bien sûr, on en a joué, on a surjoué. Mais du coup, c'était très, très drôle. Puis je peux vous dire que le jour où elle dira « Allez », il attendra pas 3 secondes. Hein. Non, mais ça n'arrivera pas. Mais il essaye. Il essaye. C'était il très drôle devant les gens hier. Et je crois que grâce à lui, je vais pouvoir avoir des coups, mais qui ne sont pas lui. Ah, parce mais ça, c'est coup, beau, ça. C'est vrai, hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de pécho grâce à Rof. Eh ben, quel vide voyou. Il t'entendrait, il serait. Non, mais je vais heureux. Très, très heureux. Dans un sauna, ça m'est arrivé une fois et j'ai réussi à pécho quelqu'un parce que j'ai raconté une anecdote sur Rof et voilà, ça a été le déclenchement. Genre le mec a dit, ah, moi je pourrais, et t'as dit, ah toi oui, et boum. Ouais, c'était plus ou moins ça. C'était, j'étais avec une copine, on commence à parler et je commence à raconter un peu fort à ma copine une histoire qu'a eu Rofelos. Pour un peu. Après, ça arrive peu que je t'entende parler pas fort. Hein, donc C'est vrai. De base. C'est vrai que j'ai une voix qui un petit pléonasme dans cette phrase. Oui, et bah, un peu plus fort qu'habituellement. Et puis, du coup, avec ça, ça a interpellé la personne qui a commencé à nous parler. Et j'ai réussi à récupérer son numéro dans le sauna. Et après, je l'ai. Et après, boum, 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 directement la chèvre dans le bison. Voilà. Sur cette chaise dans le brise. Je ne sais pas, je pense que c'est ta vie. C'est à moi ? Non, c'est à Maxilda. C'est à Maxilda, il me semble. Max a dit Marie, c'est à Max. C'est à moi. Eh bien, je vous propose, mes petits amis. Ok, je regarde de quoi j'ai besoin. Même quand il n'est pas là, on parle de lui quand même, c'est beau. Hein. Comment il fait pour qu'on lui file la couverture à ce point-là ? C'est fou, hein. Comment il fait pour récupérer autant de lumière ? Mais même quand il n'est pas là, il est sous le feu des projecteurs. Alors que pourtant, il ne vit pas pour les caméras, mais. C'est incroyable. Vrai. Tu me redis qu'un lac ne compte pas comme un élément, donc si je mets un truc seul avec un lac... Bah, il meurt. Très bien, ça s'est géré. C'est le décès. Ça s'est géré, putain, et donc je vous propose de mettre immédiatement un lac. Ah ouais, tu m'appelles. Mais non, mais regarde, ton bison, c'est bien, il est comme... Mais non, là, non. Il était... On va pas mettre un lac. On va mettre une chèvre. Yes. On va mettre une chèvre près d'un geyser. Commencez à me plaire, vous. Hein. Commencez doucement à me casser les couilles. Non, c'est bon, en vrai, c'est exactement là où je voulais le mettre en plus. Donc c'est parfait. Merci, Maxildan. Tout plaisir est pour moi, mon frère. Un véritable ref. J'ai pas du tout envie. Et pourtant, que la montagne est belle. Je rêve de toi. Ah non, j'avais pas la même. C'est très bien aussi. Hein. Attends. Ah oui, non, d'accord. Pardon, excuse-moi. Temps pour moi. Where des ouf. La chèvre dans le geyser directement. Bon bah voilà. Non. Près d'un geyser. Hop. La chèvre dans le bison. Là, il faut faire attention à la métaphore. C'est vrai que je vous laisse faire un dessin mental de cette situation. Où ça vous chante. C'est très drôle. Un lac où ça me chante. Ouais. Oh mec. Mec, écoute-moi bien, mec. Ça fait des points, ça. Hein. Ça fait des points. Il y a un monde où je vais abandonner ce bison-là, parce que j'en ai assez. Il y a un monde où je vais faire des points de fou malade. Au croisement du loup et de l'aigle. Tant pis pour cette chèvre. Ah, encore que. Avec la chèvre, on a quand même envie de mettre des poteaux. Ça. Non, en fait, faut pas faire ça. Je vais mettre ça, j'ai envie de le mettre là. Je peux pas. Je suis baise. Baise. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. J'avais pas pensé à la suite de la chanson. J'avais pensé. Désolé, j'ai vraiment c'est pas pensé terrible, ce qui se passe à la ici. Suite et je le,
Je n'ai pas pensé à la suite de la chanson, mais ça rend très bien. Allez, ça va aller là, tant pis. Ça va vraiment trop bien, je le mets. Et là, vraiment, ours sur prairie, c'est l'enfer. Hein. Bah, ce sera ours sur prairie, pourtant. Mais oui. Je vais faire ça, mais... Comment ça se remplit un petit peu, les amis hein. Bah ouais. Bon, je ne... Ours sur prairie, alors... Et c'est le dernier tour. Bon, oh, les ours, ils nous cassent la tête. Ouais, c'est vrai. Allez, tu sais quoi, ours sur prairie... C'est vrai que ours sur prairie... Allez, c'est bon. Ça dégage, à un moment allez, donné. Un peu, hein. Et je vais jouer ça. Attends, est-ce que je me fais zob? En fait, regarde. Ça marche bien, hein, je vais faire ça là, je pense. Ça va. Un loup de plus. Parfait. Je crois qu'on parfait. Y yimbe. Parfait, parfait, parfait. Il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5. Allez, fais pas de bêtises, Max Hilden. Pas de bêtises. Très, très fort. Max Hilden. À moi de choisir. Pas d'étude. Et bien, on va révéler cette dernière tuile. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Attention! Et je vous propose. Ah oui! D'abord, faut mettre un truc là. Donc là, c'est soit je révèle et je peux être extrêmement déçu. Mais mec, t'es un jobard, quoi! Mais toi, t'es un zinzito! Wow! Mais t'es un fou, toi! Mais t'es toi, un t'es malade! Malade. Mental. T'es un malade! Là, faut qu'on fasse un zoom sur ton truc pour dire aux mec, gens pourquoi t'es un malade! Un fou. Non, mais ça va. Toi, tu gumbles trop, gros! Je t'appelle. Soit. Je tente ici une dinguerie en Barney espérant Gumball. Que ce soit ni triplé, ni doublé. Ni ours, ça peut pas être ours. Si, si, ça peut revenir. Hein. Ah, ça peut revenir. Ah, oui. Y a plein de ah, moi, il y a plus, j'ai mis en disant bah, la chèvre est déjà tombée. Double yolo. Élan ici. D'accord, bah, on va faire ça. Alors, du coup, il n'y aura aucun risque de prix. Oui, mais celui d'après. Celui d'après, t'es autant dans la merde. Hein. Non, on gère. Oh, ok. Il y a moins de risques. Pas grave, s'ils meurent tous, je m'en fous. Ouais, bien sûr. Ok. Comme ça, ça win. Allez. Ça va j'ai pris le joker directement, le jojo. Donc ça vaut un de tout. Un de tout. Super. Et directement, il faut que je joue des trucs qui évitent de me faire complètement baise. Ça vaut. Pour répondre au chat, il y a en effet un autre plateau que celui qu'on joue. On vous le montrera à la fin de la partie. Parce qu'il faut le retourner. Et on ne va pas le retourner maintenant. Je crois que c'est le moment où je peux ken très profondément. Non. Je ne crois pas. Surtout Marie. Non. Je ne crois pas. Oh, ce qui va se passer. J'espère que tu ne me feras pas chier. La douleur sera merveilleuse. Alors, il y a ça qui peut faire chier Marie. Mais elle a dit, ça la régale. Donc, bof. Oh non, ça ne la régale pas. Non, moi, ça ne me régale pas. Hein. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et ça ne la régale pas. Ensuite, ah, du coup, si elle, ça a fait chier et que lui, ça ne la régale pas, j'ai l'impression que je suis bien. Si ça me régale un peu quand même. Oui, ça me régale un peu. On parle de quoi? Aucune idée. Je ne sais pas de quoi il parle. Bon, moi, il faut que je pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant qu'on va jouer encore 7 fois. Oh, le maître mind. Ouais, il est dans la boîte, le plateau du quatrième joueur. On vous l'ouvrira après, soyez patients. Ça, il faut pas que je le pose là. J'en ai rien à foutre. Ça, je m'en branle. Donc, je vais pas le poser là. Je le ferai quand on me le demandera. C'est joli quand même, de loin. Vous dites que c'est moche, les illus. Mais tu vois, là, quand tu regardes ça sur ta table, bah, moi, j'ai envie de jouer à ça. Ok. C'est de la merde, Marie. Non. Bah moi, je trouve ça bien. C'est le principal. Moi, je regarderais ce live, j'aurais envie d'y jouer. Mmh. Mmh. Et regarde-le bien. Tu vois, ils ont dit de loin, c'est joli. Moi, je suis d'accord. Ah, tiens. Un petit peu baisé. Je remarque que je suis un peu baisé. Eh bien, on va faire ça. T'es le premier joueur, tu peux faire en sorte de pas te baiser, hein. Ça va bien se passer. Je vais mettre un élan. Mmh. Oui. Oh. Bon, y a un truc qui me baise. Ça te baise un peu moins, toi. T'en fous un peu. Tu vas mettre ça sur quoi? Soit je mets un élan sur la montagne, soit je mets un élan sur la river. Et je crois que je préfère le mettre sur la river. Élan sur la rivière. Ah, mais du coup, est-ce que ça, c'est une rivière? Attends, oui. Stop. Oh, il est lent. Oh, belle. Rof n'est pas là et... Il est lent. Oh, la rivière. Ouais, c'est doué, hein. C'était pas allez, c'est bon, élan sur la rivière. Et du coup, on dit que ça, c'est une rivière? Je suis pas sûr de ce que je viens de faire. Et en vrai, mec, tu m'as régalé. Ouais. Franchement... C'était mon move que j'allais faire. Et moi, j'ai une putain, question. Putain, tu régales.
Bah, tu me régaleras du coup. Ouais, j'ai allez, une question, on fait ça. Ça, c'est... On a dit que c'était rivière ou pas du coup? On sait pas. Ça, c'est rivière. On est sûr? Sûr. Je te le valide. On joue tous de la même manière. Bah, du coup, j'ai envie de pleurer parce que. Mais c'est pour ça qu'il faut pas pleurer. C'est pas grave, tu es pas fou. C'est pas gentil. Oui, c'est pas du tout mon objectif. T'es une mauvaise personne. Oui. T'es une mauvaise personne, tout elle tout a fait. Dit. Tout à fait, j'existe uniquement pour tu ça. Me rends triste. C'est à toi. Hadi! Yes, du coup. Hadi. Ah, je couvre la rivière. Hadi. Chiant. Hadi. Pardon, Patrick, si tu en gardes. Important. C'est pas les cartes. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Il te reste que des ours, toi. Bah ouais, c'est... j'en avais aucun, ils sont tous là, du coup, ils sont tous arrivés à la fin. Mais tu vas pouvoir te faire un. Ah non, ça va être. Ah, c'est-à-dire que dès qu'on va jouer autre chose que les ours, il va pouvoir mettre ses ours où il veut. Bah ouais, il est bien, hein. C'est pas si mauvais. Non, non, c'est bien. Du coup, faut que je dégage l'aigle ou. Ouais, l'aigle ou l'ours. L'aigle ou le. Le loup. Chaîne météo pour Max, la mort des aigles. Ouais, ça me mettrait au fond, j'avoue. Je suis un aigle. Je suis. Ah putain, t'as joué tous les aigles de la partie. Tous les aigles, tous, c'est mon RP. C'est mon RPEC parce qu'en fait, Marie m'expliquait que c'était un aigle que j'avais. C'est vrai. Et du coup, je suis RP je aigle. Par contre, je sais pas où le foutre. Je crois qu'il ira dans une prairie, l'aigle. Indeed. Je pense que ça me paraît. Bah, surtout que c'est plutôt bien parce que tu complètes les jaunes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire compléter une couleur. C'est assez rare. Ouais. Et voilà. Et paf dans la boîte à Benko. Ça me plaît ce que vous faites. Ça me fait plaisir que ça te plaise. En vrai, j'ai l'impression que j'ai gagné. J'ai l'impression que j'ai fait la tous les points possibles. La boîte Benko. La boîte à Benko. La boîte, la boîte. La boîte à Benko. Benko, Benko. Boîte à Benko. Ceux qui n'aiment pas les films avec des comédies musicales et tout, on est vraiment désolés. Pour les autres, c'est Disney. C'est un régal. Putain. Putain, je peux pas mettre de lac, là. Je suis niqué. Bah voilà, je suis baisé. Putain, quand t'as dit. Fallait que ça arrive. C'est moi après, hein. Bah en fait, si je veux pas me faire niquer, il faut que je joue le lac tout de suite. Lac. Non, toujours pas. Ah oui. Elle va y arriver. Tu penses faire un montage sur le nombre de fois où t'as... Alors là, c'est lac tout de suite. Lac. Bon, bah lui, de toute façon, j'ai pas envie. Donc, c'est soit je mets ça là. Je suis décevant, mais bon. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, en fait, il faut mettre le mieux possible. Ah, quoi que je... Hein? 2, 3. Est-ce que je prends ça Il va lui poser un truc en fait ou... ouais. Ouais. Un lac. Excuse-moi, je suis pas. Excusez-moi. Est-ce qu'il vaut mieux poser ça? J'étais en train de penser à autre chose, désolé. Un lac, dit, arrêtez de jouer. Ah non, mais j'ai déconnecté. Genre vraiment, désolé, j'arrive. Oh bah voilà ma rivière. C'est bon. La rivière est complétée. River is complete. Tid. Bref. Ça c'est fait, ça c'est fait, et ça, ça va se faire forcément. Allez, go. C'est à qui? Ah, c'est à moi? Là, c'est au con qui demande, je crois. Mmh. Bah, ça me va parfaitement. C'est pas de la merde. Attends, j'ai besoin de compter un truc. Ça, ça vaudra 6 points. Ça vaudra... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, d'accord. Comment faire ça? Donc on va faire... l'ours... en montagne.
ça m'arrange pas, hein, sachez-le. Non, je trouve ça grave chouette en vrai. Évite de me faire ken. Ça m'évite de me faire ken. Je vais vous demander de mettre... Attends. Oh, pardon. Excusez-moi. Je vais mettre. J'ai vraiment tué mes ours, moi. Oh, je pense que... Je pense que chèvre-montagne, c'est bien. Hein. Ouais, chèvre-montagne. Hein. Chèvre-montagne. Ah, quoique, t'as déjà fait. Non, chèvre... Chef cratère, là, t'as déjà pris. Chef forêt, ça me fait un peu chier. Un peu de fois, ça me fait chier. Non, chèvre... Chef geyser, peut-être. Ouais, chèvre geyser. Allez, chèvre geyser. Oh non, c'est tellement horrible ce que tu viens de me faire. Comme moi tout à l'heure. C'est tellement tu parfait. Tu viens de me faire tellement perdre de points. Tellement parfait, mon frère. Bah, je te renvoie l'appareil de ce que tu m'as fait tout à l'heure. Deux doigts de te séus. C'est le juste retour des choses. C'est parfait. Mais bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas ouf. C'est pas. Il me reste soit loup, soit bison. Je vais évidemment faire. Si je fais bison. Ça, il me restera loup en forêt. Je mettrai lui ici et c'est plutôt bien joué. Ok, je vais faire bison cascade. Et là, ça me baise un peu par contre, j'avoue. Je vais le mettre là. C'est-à-dire que loup forêt, tu vas obligatoirement. Parce qu'en vrai, attends, mais merde, en fait, c'est bison cascade. Je vais le mettre là. Grave. Bison cascade et ensuite on aura loup forêt. J'aurais pas réussi à remplir celui-là. Ouais, c'est bon. Bison cascade, c'est bon, j'ai pu le faire. Et du coup, loup forêt, ce sera moi bison forêt. Décevant, mais au moins ça remplit là. La river. Raya. Est-ce que tu veux zoomer sur ça pour j'ai quoi comme baiser. Regret hein, j'ai quoi comme regret, j'ai un ça. Gros regret sur les pointes de. Alors, nous avons placé toutes nos tuiles. Sniff. Ah non, il reste la tuile super drôle. On va faire la tuile météo. Donc moi et Adi, on avait gardé la tuile Joker. Oh mon dieu. Et toi, Max? Et vous avez gardé la Joker à la fin? Ouais. Allez, je vous montre. Je rigole si c'est. Attends, c'est donc, quoi? Ours. Ok, ours, je m'en fous. Solo, je m'en fous, mais il est déjà tombé. Donc ce qui me ferait chier, c'est... Triple. Aigle. Ou aigle, c'est tout. Et chèvre? Non, chèvre, j'en ai rien à foutre, elle est toute seule. Ah ouais, lac. Oh putain, il y a lac dans ton cul aussi. Ouais, même lac, c'est pas la mort. Ah oui, putain. Ah, ça t'enlève quand même énormément. Triple ou aigle, je suis baisé. Non, lac, c'est pire que le triple. Hein. C'est mieux que ton triple, oui, il saute plutôt que ton lac. D'accord. Ton lac, il te fait un point par aigle. Non, parce que si mon triple saute, ça coupe mon combo d'aigle. Non, t'inquiète. Ouais. Vas-y. Putain, mais quel chatteux, mais c'est pas possible. La chatte. Oh, je suis deg. La chatte. La chatte. Bon, alors, comment ça se passe? Là, on commence par faire les tuiles météo. Vous prenez toutes vos tuiles météo une par une et vous retournez ceux qui meurent. Vous les laissez sur votre plateau parce que potentiellement, ils peuvent entourer des geysers, recouvrir des lieux. Et donc ça, vous le perdez pas. J'ai rien qui meurt nulle part. Une vanne. J'ai un truc qui taille. Moi, ça meurt pas. Mes bisons vont aller se faire foutre. Moi non plus, j'ai rien qui meurt. Bah voilà. Ok, ensuite. Ensuite, est-ce que vous avez recouvert vos chutes d'eau? Bah oui. Bientôt, on trouvera la chaîne en parcourant la catégorie musique. C'est vrai, un karaoké dans 5 minutes, les gars. Chute d'eau, ouais, c'est recouvert. Donc tout le monde 4 points. Ensuite, est-ce que quelqu'un a recouvert toute la montagne? Non. Est-ce que quelqu'un a recouvert tout le désert? Oui. Putain, bien joué. Bah, faut faire des choix, tu peux pas tout faire. Est-ce que vraiment. Quelqu'un a fait toute la forêt? Non. Est-ce que quelqu'un a fait toute la rivière? Oui.
combien de geysers vous avez complètement entouré? Deux. Un ouais. seul. Deux. Donc 8 pour Maxildan, 4 pour Adi, 8 pour Marie. Et là, c'est là que la migraine tout commence. Se joue. Vous allez compter vos chèvres. On multiplie par le nombre de lacs avec des chèvres. Oui. Ah oui. Lacs qui ont des chèvres. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 8 fois 2, 16. Pas ouf. Pas ouf, bah moi mais c'est j'ai pire, pas misé sur les car chèvres. J'ai uniquement 7. Et Max a dit qu'il allait gagner. Hein. Oui, mais les chèvres, c'est pas mon combat. Les chèvres, je crois que j'en ai un truc genre 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui. Multiplié par 3. C'est comme ça que ça marche. Hein. Oui. Ouais. Mais t'as raconté combien? Bah 11. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. 11 fois 3, ah, donc 33. Donc au max, c'est 12. Donc c'est 36 au max. Adi, 33. Bien, ouais. Une véritable chèvre ici, évidemment. Ou le goat, comme vous voulez. Bien, ouais, mec. Au choix. Les ours, moi, je les ai abandonnés, les ours. Ah, les ours, j'avoue, ils ont pris un tarif ici. J'ai très mal joué. 12 pour moi. J'aurais pu avoir tellement plus. 6 fois de 12. Bah, j'ai 4. 30. Ah oui. Seulement 4 pour ma part. Ah oui, 4, tu les as vraiment délaissés. 1, 2, 3, 4. En fait, je voulais faire une jonction ici et j'ai pas pu. Ah oui. J'ai perdu beaucoup de points. 10 x 3, ouais, ça va 30. Juste 4. Ok, c'est bon. Ok. Les loups. Moi, les loups, c'est bien. Normalement, je fais 36. Douze fois 3, 36 pour moi, le max. 14. Je compte 10 chèvres, c'est à 10 perso. Il y a 1, le 2, bonus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, mais en fait, cette tuile-là, c'est une tuile Joker. 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 Donc il y en a bien 11. On passe aux élans. Élans. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça fait mal ça. Un bon connard, mais j'ai fait mon choix. 30 pour moi. 10 x 3, 30. Les élans. J'en ai 20. 10 x 2. Ah, le petit lac qui est mal placé, c'est lequel? Ah bah, c'est celui où tu m'as dit tu m'as baisé Marie. Et c'est exactement celui-là. Mmh. Bravo, Marie. Désolé. Non, tu désolé, le penses pas. Désolé. Bah, tu le penses pas. Non. Mec et tout. Tu le penses pas. Parce que regarde ce qu'il y a. Tu vois? La cascade. T'as gagné 4 points avec les cascades. Ça, tu m'as fumé la gueule. Tu m'as enculé. 9 ? Ouais. 9 ? Ah, ouais. Pas ouf. Hein. Ouais, pas ouf, pas ouf, pas ouf. C'était pas ta guerre, les élans. Les élans, c'était pas mec. Les aigles. Ah, je suis un aigle. Alors, si j'ai pas fait au moins 30, c'est je suis vraiment un fils de quoi. 33. On soit de 22 pour moi. Eh ben 36. J'ai fait le max. En même temps, c'était ton... Ah, c'était mon RP. C'est bien 2 3 4 5 6 7 ah, 9 bon. 10 11 12 et il y a 1 2 et 3. Ah non mais RP aigle, c'est bon. Et les petits bisons. Moi, non. Ça c'était mon combat normalement les bisons. Ah bison juis chaud. Ça m'arrange pas c'est ton combat parce que on est pas loin là des scores. Bison juis chaud ou pas d'ailleurs. Je suis pas très chaud, mais ça va. Ah, mais j'ai dû en sacrifier quelques-uns, c'est le problème. J'ai dû en sacrifier plusieurs. 18 pour ma part. 33 pour moi. Ah ouais, quand même. J'ai fait des bons scores quand même là. 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est ça, 3 fois 7, 21. Pas ouf. Pas ouf. Je pense que j'ai pas gagné. Moi, je pense que j'ai gagné. On va quand même compter les points, mais moi je suis nulle en addition. C'est pour ça qu'il y a des calculatrices qui existent. Ok. Non, c'est bon, vas-y, de tête, envoie. Ok. Maxidane, il fait trop chaud à chaque fois. 4 et 8, 12. Plus 8. 20. Plus 7. 27. Plus 30. 57. Plus 30. 87. Plus 9. 96. Plus 33. Ça, c'est chiant. 129. Plus 21. 150. T'es sûr de tes comptes? Vérifiez dans le chat. Hein.
calculé dans le chat. 450. Putain. Ça va. Ah, la machina, comme on l'appelle. Alors, 4 plus 7. 11. Plus 8. 19. Plus 4. 23. Plus 33. 56. Plus 4. 60. Plus 14. 74. Plus 20. 94. Plus 36. 140. Plus 18. 58. 158. C'est bien parce qu'on est sur une émission de calcul mental. Le compte est bon. Ça me met à la stress. Ah, 148, je me suis trompé. Quoi ? Ah, ça change absolument. Je suis derrière, wesh. Désolé. On est sûr ou pas ? Est-ce qu'on fait confiance au chat ou... Je pense que je me suis foiré sur le 96 plus 36. J'ai fait 140 et en fait, c'est 130. Ouais. Putain, j'ai perdu, j'ai trop le seum. 160. Non, il y a un compte de la merde, il s'est trompé de chiffre. J'ai dit 140, c'est 130. Et bah, du coup, tu perds à 2 points. L'ascenseur émotionnel de Maxime. Désolé, Hadi. Ça pue la merde, wesh. Ensuite, 4. Ok, 4 et 8, plus 12. 8, plus 8. 20. Plus 16. 36. Plus 12. Du coup, j'ai peur de tout, 48. Plus 36. Ah, ça, c'est chiant. Par 4. 74, je crois. Plus 30. 74 ou 84, attends, j'ai un doute. Attends, on recommence. 48. Non, on recommence pas. Non. 48. 84, je crois. Plus 22. 84 et 22, ça doit faire 106. Plus 33. 106 plus 33, ça fait 133 plus 6. Donc ça fait 139. Non, c'est impossible que je perde. Bah si. Il y en a qui disent 169. Oh, j'ai raté quand là ? T'as raté tellement, frère ? J'ai raté quand ? Il y a du 169 et qui tombe 139. À quel moment ? Il y a un endroit où t'as oublié un chiffre, non ? Non, je pense que 4 plus. Il manque 30 points en fait. C'est... T'as pas compté celui-là ? J'ai peut-être pas compté un 30. T'as oublié un 30. Ah oui, t'as oublié un 30. Ouais, voilà. Ah. Voilà, donc t'as 169. C'est vrai que les mecs ils voient de là ? Mais a priori, oui. Ah, mais je pense que je l'ai dit pendant que t'étais en train de compter et que du coup je te l'ai pas redit. Ouais, désolé. 169, bah oui, parce que j'étais assez sûr que c'est une victoire de moi. Bien joué, meuf. Bien joué. Ouais, ce qui, je pense que... C'est serré quand même entre vous deux, là. Deux petits points. Il est écouté. Je pense que ce qui me fait perdre beaucoup, beaucoup de points, si je montre un peu mon plateau, parce que globalement, j'ai... Bon, déjà, effectivement, sur les chèvres, j'ai vraiment pas été très bon. J'ai vraiment beaucoup de chèvres qui sont pas dedans, quoi, donc ça, c'est un peu dur. Mais ce qui me fait perdre beaucoup de points sur les bisons, c'est le fait que j'ai dû... On séparait quelques-uns parce que, en fait, les bisons, au début, je suis parti dedans en mode c'est mon combat. Donc, je les ai tous mis à un endroit un peu fixé. Et en fait, j'en ai eu genre 3-4 au début. Et après, j'en ai plus du tout jusqu'à la fin. Et du coup, à la fin, bah, tu les mets un peu où ouais, tu veux. Ouais. Donc, ça m'a un peu baisé. Et l'autre truc qui m'a baisé, c'est ça. Cette case-là. Puisqu'ici, je mets un ours seul. Un ours seul qui me permet de pas mal marquer sur les ours. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il n'était pas si ours que ça. Et si à la place de cet ours. J'avais mis un putain d'élan. Et bah du coup, au lieu de marquer qu'une seule fois les points de tous mes élans qui sont ici, bah, j'aurais pu le marquer une deuxième fois et même une troisième fois. Ah, en fait, mes deux trucs d'élan ici sont coupés ici. Mais il te restait des élans quelque part que t'as mal placé ? Je sais plus, peut-être, je sais plus. Honnêtement, je sais plus, mais je me dis, l'ours ici, là, il est décevant. Il est décevant parce qu'il me permet de marquer qu'une seule fois de plus les ours et il me coupe mes deux élans. Là, je pense que j'ai perdu beaucoup de points ici. C'est vrai. Voilà. C'était la fin de mon analyse. Très belle analyse. Très bien. Tu veux nous faire une petite analyse, Adi ? Bah, tu m'as baisé là. Voilà. Et je me suis auto-baisé ici. Et si on change ça et ça, j'ai gagné, je pense. Ah, dur. Voilà. Fin de l'analyse. Et bah, fin de l'analyse. Très bien. Merci. Mais des fois, c'est vrai que ce jeu, ça se joue des fois. Inverse de tuiles, ouais. C'est terminé. Mais après, je pense que ça se voit aussi que j'ai un peu plus joué que vous à ce jeu parce que à force de jouer, il y a des stratégies. Mais bien sûr, mais c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que la première game, tu te fais baiser, après tu dis, ok, j'aurais dû faire ça, genre recouvrir le désert. Personne le fait parce que ça ne sert à rien. 7 points pour se faire chier à faire tout ça, ouais, ça vaut pas le coup. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que globalement, les 4 premiers trucs, OSEF. Oui. Ouais. Très les trois territoires et même en vrai les cascades. Mais même en vrai, les cascades, déserts, en fait, les gens le font parce que bah, c'est facile à faire et que de toute façon, t'es un peu obligé. Quoi. T'es un peu obligé de jouer sur des cascades, donc tu vas finir par y aller. Et c'est pareil, les geysers, c'est pas très grave si on les fait pas. Tu fais rarement les trois. Là, je les ai fait, mais par hasard en fait.
Non, ouais. Bah, en tout cas, j'étais con parce que je voulais, moi, ma stratégie c'était faire la rivière. Et comme j'ai jamais recouvert la cascade alors que c'est une rivière, bah, je me suis forcé à faire des. Tu vois, ça m'a zob de ouf. Donc, du coup, maintenant que je le sais, je jouerai pas de la même façon. Ouais, bien sûr. Mais bon, le RP Aigle a été représenté ici. Donc. Tout va bien, c'est une belle game. Et non, moi j'adore toujours ce jeu parce que ça fait des trucs dans mon cerveau qui me plaisent beaucoup. Et il y a une satisfaction à la fin quand tu arrives à faire ton 30, 33, 36, j'en ai quand même 3 au-dessus de 30, et bah, c'est que j'ai bien géré et du coup tu as ce côté un peu satisfaction qui fait plaisir. Donc j'aime pour ce jeu pour ce qu'il me procure. C'est beau. Voilà. Bah, c'est très beau en vrai, Marie. Et en vrai, c'est vrai qu'il est très chouette. Pour le coup, c'est vrai que j'ai passé un très bon moment et on a beaucoup chanté. On a beaucoup chanté, c'est vrai. Double kiff. On est d'accord qu'on pose 35 tuiles, 35 tours. On a 7 tuiles. Oui, bah donc oui. 7, on a 7 tuiles. Ouais. On fait 5 tours. C'est ça. Ouais, ça fait il y a 5 événements météo. OK, ce qui veut dire qu'en fait le seul cas où tu ne vas pas remplir ça, en fait, tu vas tomber 5 fois là-dessus. Oui. Donc il faut au moins qu'une seule fois tu le mettes. Première fois, deuxième fois, 3, 4, 5. Ah oui, c'est ça, on fait 5. Ok, et donc si tu remplis pas la sixième. Avec sixième le, chute, ça le se fait truc. Pas. Ok, ok, ok. Non, mais c'est pas mal. En fait, je crois que je suis exactement. J'ai le même avis que la première fois qu'on avait joué. Je suis en mode. C'est pas mal, ça marche bien, mais déjà, bon, tu. Il y a une petite interaction. C'est vrai, mais tu joues quand même beaucoup de ton côté. J'ai l'impression que je préfère ce jeu à deux. Ok. Ah ouais ? Parce qu'en fait, là, si tu veux regarder ce que font les autres, tu perds beaucoup de temps à dire ouais, c'est vrai, toi, ouais, t'as clairement. Ça, toi, t'as ça. T'as... En fait, t'as vu, au début, j'ai voulu le faire. Puis très vite, j'ai dit, allez, je fais ma vie. Et à deux, t'as vraiment le temps de regarder ce qu'il a à dire. Oui, non, tac. Oui, mais c'est peut-être ça. Moi, je me souviens que j'ai beaucoup joué contre Marie la dernière fois. Oui, mais. Et là, j'ai plus joué pour moi. Quoi. Bah, okay, mais je moi, vois. Je pense que dans ce jeu, il faut jouer pour soi hein, et pas contre les autres. Ouais, mais du coup, ça c'est trop manque compliqué un peu de jouer contre les autres. Oui, mais ça, c'est. Alors, okay. Moi, je pense ça que c'est deux trucs différents. Je pense qu'en jouant pour toi, je dis n'importe quoi, c'est juste pour te rendre compte de comment je vois le truc. Genre, si on joue chacun pour nous, genre, tu vas faire 160 points et je vais en faire 155. Si on joue chacun l'un contre l'autre, tu vas faire 139 et je vais faire 133. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en fait, il y en a toujours un évidemment qui va gagner sur l'autre. C'est juste qu'on va tous les deux avoir moins de points en fait. Oui, mais je pense qu'il y a tellement de possibilités de faire des points dans ce jeu que tu peux pas vraiment niquer les autres, tu vois. Et puis j'ai même pas fait exprès. Peut-être qu'il y a des moments clés où tu peux, bah typiquement, tu sais, imagine me forcer à mettre mon pendant ici et là, c'est le clutch. Alors c'est clair qu'il y a un moment clé où si t'avais dit loup en forêt et que je mettais pas mon loup là, je perdais énormément de points et je serrais les fesses. Au dernier tour. Ah ouais. Bah non, parce que je transpirais là, j'étais là, putain, s'il dit loup en forêt, je suis baisé, je suis foutu. Et c'est avéré que. Et donc ça, c'est cool. Donc oui, si on veut, on peut le faire. Après, voilà, c'est vraiment le jeu chill, cocooning. Au dernier tour, s'il y avait eu loup en forêt, ça te gênait ? Ouais. Mais le dernier tour, c'était loup en forêt, non ? T'as triché. T'étais loup en forêt, non, meuf. Parce que c'est le tout dernier tour, ça. Ouais. Et moi, en fait, quand ça a été à mon tour, j'ai posé mon dernier loup en jouant les lacs. Et du coup, pour le loup en forêt... Vous regarderez le replay, les amis. Mais non. Du coup, pour le loup en forêt, à la fin, j'ai mis un joker et il me restait un ours que j'ai mis en forêt. Mais en fait, j'ai vite joué mon dernier loup pour que, justement, mon loup... Ah, d'accord, c'est bon, j'ai compris. J'ai pas triché. J'ai compris ce qu'elle a dit. Eh bien... Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous vous êtes régalés à découvrir Caldera Park, disponible évidemment dans toutes les bonnes boutiques, mais par exemple chez Playin aussi, avec le code dimanche, vous aurez moins 10% si vous attendez quelques jours, le temps que ça arrive évidemment dans le code. Oui. Juste, je vais leur montrer quelque chose parce que je leur ai dit que je le ferai en fin de partie pendant que vous réfléchissiez. Il y a un autre plateau. Voilà, ça c'est l'autre plateau. Alors la différence, c'est que les tuiles météo, elles sont bien plus chiantes. Parce que les tuiles météo, elles sont positionnées, vous voyez, en plein milieu. Vachement plus intéressant, ça. Oui, c'est la partie pas bébé. Ah bah ouais, ah, faut jouer ça. C'est vrai que c'est plus rigolo, ça. Oui, mais pour ça, une première partie... C'était beaucoup plus chaotique, beaucoup plus semesque. Vous avez la montagne, la forêt, tout qui est séparé. Vous avez plus de volcan. Ouais, bah c'est construit autour d'hexagones, quoi. Là... Vous avez l'hexagone de la forêt qui en face un hexagone de la forêt, l'hexagone de la prairie en face et celui de la prairie, la montagne en face et celui de la montagne, et au centre, vous avez deux carrés de chaque couleur.
c'est hyper symétrique au final, mais c'est plus construit autour d'hexagones. Où là, c'est plus vraiment construit autour de territoires qui ont un peu de sens, qui ressembleraient. C'est ça. Et là, je pense qu'il y a vraiment le côté ultra chaotique de la météo, parce que la météo, c'est une à chaque tour. Et là, c'est pas 3 tuiles qu'elle te bloque, c'est 6. En gros, là, vous avez un équilibrage thématique. Là, vous avez un équilibrage mathématique. Chaotique, c'est le chaos. donc voilà, j'ai fait beaucoup de parties sur les deux côtés, et c'est vrai que celui-là, bah, on a plus de un peu de sensation frustration, c'est parce que là tu vas tuer tes animaux et on le rappelle dans cette émission, nous adorons tuer des animaux. Let's go. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. C'est vraiment la conclusion catastrophique. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. On le rappelle évidemment dans le chat. Fuck Rof, voilà, vous pouvez spammer, ça nous fera très plaisir. On se retrouve ce soir 21h pour un petit peu de Magic. Adi, vous pouvez le retrouver évidemment sur tous ses réseaux sociaux, évidemment sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, sur Copain d'avant, comme Marie Grand Jeu, marie.grd.jeu évidemment sur Insta et partout. On vous fait des bisous, merci de suivre cette chaîne, merci de continuer à suivre, merci de sub, merci de follow, merci de laisser des commentaires. Criez partout autour de vous que les jeux de société c'est cool et que c'est encore plus cool chez les joueurs du dimanche. Salut tout le monde, ciao. Bye.